C'est parti! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à l'épisode 40 de Dracosia. Je me souviens plus du numéro. Arte me l'a dit tantôt, elle va me chicaner. 42 qu'on me dit à l'oreille. La réponse la à la vie, à l'univers et puis à tout. La régie me souffle à l'oreille 42. Avant de commencer, est-ce qu'on est toujours retraité? On est toujours retraité. Ok, c'est bon. Donc, on va présenter les chaînes de mes invités. On va commencer avec mon ami Frank de la Quête du Bois. Est-ce que tu veux nous présenter ta chaîne, s'il te plaît? Yes, je viens de couper le son en deux. Bon, je suis Frank de la Quête du Bois. Je suis un ébéniste qui monte son atelier sur Twitch. Donc, je fabrique des tables de jeux de rôle, tables de jeux de société sur ma chaîne en live. Et ça ressemble beaucoup à ça de ce temps-ci. On va streamer un épisode dans deux jours du Vieux Poil. Hey, je suis désolé. La Ligue du Vieux Poil. La Ligue du Vieux Poil. Je vais en parler tantôt. Tu peux continuer. Puis ça ressemble à ça. Mes streams standards cette semaine. Là, ben tranquille. Good. Caf, est-ce que tu veux nous présenter ta chaîne, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Caf. Et je suis streameuse de variété. Je fais beaucoup d'art. Puis là, en ce moment, on a recommencé le podcast qu'on fait avec des gens sur la culture et les arts. Plus fort, on n'entend rien. Qui? Quoi? Je comment? Sais pas. c'est White qui écrit ça. Excusez, ça m'a déconcentré. Fait que c'est ça, la culture et les arts. Là, on a parlé avec mon chum, avec Monsieur Sigdou de lutte, et c'était vraiment génial à aller voir. Puis, lève ton son. OK. OK, c'est beau. Puis c'est ça, cette semaine, je prends beaucoup congé parce que je suis très fatiguée, et voilà. Ok, Urgent, est-ce que tu veux nous présenter ta chaîne, s'il te plaît? Urgent, t'es mute. Oui, c'est moi, Urgent Pigeon. Oui, Urgent Pigeon, j'ai fait bien des affaires sur ma chaîne, un peu plus tranquille quand même ces temps-ci. J'ai pris une pause d'ailleurs, puis là je suis en train de revenir tranquillement pas vite. J'ai un podcast aussi, en fait j'en ai plus qu'un, mais sur Twitch, il y a l'Urgent Tir Show qui bat de ses pleins ailes. C'est quoi l'expression? En tout cas, il est en vie et actif. Notre prochain est à la fin du mois et on reçoit le studio derrière le jeu Disbade We Made qui vient de sortir. Donc le studio Low Birth Studio. Puis on va leur jaser, ils sont bien nice. Cool. Et Hugo, est-ce que tu veux nous présenter ta chaîne, s'il te plaît? Oui, oui. Projet Play Soldier TV, c'est une chaîne qui est animée par moi et par ma douce moitié Mimi, qui elle aussi joue quelqu'un dans Dracosia, juste pas dans le même groupe. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? Sur Projet Play Soldier TV, il y a de la peinture de miniature genre. Une fois par Blue Moon, ces temps-ci. sinon, il y a Mimi qui joue à des jeux avec une belle direction artistique, une belle storyline ou bien des jeux d'horreur. Et sinon, bien, j'anime aussi des sessions de Pathfinder 2e édition avec quelques membres de la société dracossienne aussi. Yes! Puis ça ressemble à ça. La société dracossienne. J'ai aimé comment tu as dit ça. Au nombre qu'on est, c'est quasiment ça, pour vrai. Ah oui. La société des dracossiens perdus. Ouais, c'est ça. Exactement. La SPD. Non, SDP. Ah, je suis mélangé. Donc, ce soir, je suis grippé, donc ça se pourrait que le micro coupe parce que je veux pas vous tousser dans les oreilles. Ça se pourrait qu'on prenne des pauses parce que je suis après mourir. Donc, je vais demander. Toi aussi, t'as des enfants. Ouais, j'ai des enfants, puis c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Là, ça a l'air sous contrôle, on va maîtriser. Fait que si je fais moins de voix que d'habitude, vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle veut pas. Voilà. Cette semaine, comme mon collègue Frank de la Quête du Bois a mentionné, on a notre podcast à nous qui est la Ligue du Vieux Poil où on couvre les affaires de hobby. Cette semaine, entre autres, Hugo va nous présenter une entrevue d'une personne qui fait la nouvelle aventure de Star de Pathfinder 2 qui va probablement être avec le Revised. Ensuite de ça, Frank va nous présenter un jeu, une aventure 5e édition faite au Québec. Exact. Exactement.
Tirana, il va nous parler de Magic. Je me souviens plus, il y avait comme 12 sujets, puis j'ai perdu le compte de qu'est-ce qu'il était pour parler. Moi, je vais vous parler de des systèmes de TCG à l'intérieur des boutiques. Je vais faire un review de Paradox Rift et du Pokémon TCG. Et je vais vous parler du nouveau personnage de Donjon Dragon, Autiste. Le premier personnage autiste en jeu de rôle fait par une personne autiste qui va être dans le book of Many Things qui va sortir au mois de décembre. Et peut-être plusieurs autres surprises parce que le show est juste mardi et on a encore 24 heures pour changer d'idée. et voilà. Donc ça va être ça. Et dimanche prochain, ça va être la dernière de l'année des Mao. Où Damien va mourir. Voilà, c'est dit. Comme il est dans le chat, on va n'a pas manqué. Hein? Ceux qui n'aiment pas Damien, là, on va le tuer. Bon! Je voudrais dire que ça arrive juste une fois, mais des fois, il y en fois... a plus qu'une fois, apparemment. Ça dépend du perso. Ça dépend c'est qui a une plot armor. Je savais qu'il était pour réagir. C'est incroyable. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des annonces avant que je passe à autre chose? Par le son du criquet, je vais assumer que non. Et donc, nous allons automatiquement rentrer en partie. Je vais d'ailleurs tout de suite corriger. C'est quoi le nom? Xiala. 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 Juste une fois, Xiala. Le nom de madame? De votre employé, oui. C'est Xiala. Mm-hmm. Xiala. Oui. Good. Pas de mauvais jeu de mots? Ça va là. Ça coûte cher d'XP s'il y a des mauvais journées. J'aurais mis Sad Horn, mais bon. Ok. C'est correct. Donc, vous êtes à l'intérieur de votre magasin qui n'a toujours pas de nom. On a eu plusieurs suggestions. On appelle là d'avoir un semi-consensus. Vous aviez un semi-consensus parce qu'il y a eu comme plein de noms qui ont sorti après, fait que j'étais plus sûr. Fait que j'ai pas osé. Moi, c'était là après que j'avais vu le consensus. Ouais. Bah, du coup, on recheckera ça. Quoi, le consensus? Il y avait pas un nom qui avait l'air. Un instant. J'ai manqué 25% de la conversation parce que j'étais en char. Ouais, mais il y a comme. Forge et Oracle? Ouais, la Forge de l'Oracle? Oui, exact. Nanana. La Forge et l'Oracle. Ça, je trouvais ça pas payé, là. Ouais. Ça présente bien ce qu'on est, là. Ben oui. Qu'est-ce que Pigeon Pigeon en pense? Moi, ça me va. Oui. Il y avait mieux les résistibles Volriac, je pense. Ça va être ma propre compagnie privée. Ah, ok, c'est ça. L'invulnérable Volriac. Mais vous le saurez pas. Une fabuleuse fabrication fantastique. Super. J'aimais bien Fabricville aussi, là, mais c'est... c'est un magasin qui existe. Ouais, c'est pris avec des droits d'auteur, fait que c'est non, ça. Merci. Fait que la forge... comment? La forge et l'oracle? OK. Ouais. J'aimais mieux Rune et Relique, mais bon. C'est personnel. Moi aussi, Mario, mais écoute, ça a pas passé. C'est on vend rien de dire? Ça! Ben, la forge aux runes et le racle aux reliques, là. Elle en vend pas de forge, elle en vend pas de racle. Ouais, ça a zéro rapport. Merci. Vendez des forges. Je sais pas ce que vous vendez encore. Premièrement, vous vendez rien pour l'instant parce que vous avez rien fait. On est cassé, là. Donc. Ouais, mais ça paraît pas bien un magasin qui s'appelle On de la misère en sacrement. C'est ça. Moi, j'avais proposé « Venez vous servir ». Ouais, celle-là, j'ai adoré en passant. Ben tu oui. T'as fait ma journée. J'ai tellement ri quand t'as dit ça. J'étais comme « Ouais, ça, c'est génial ». Rentre, on verra. Donc, rien poussière. On se retrouve 2 jours plus tard, après votre dernière aventure, où vous avez accompli 1/5 de votre dette envers les partisans. Vous êtes à l'arrière de la boutique. Ça fait maintenant 2 jours que Xiala travaille pour vous. Elle prend l'avant du magasin et s'occupe des clients. Des rares clients, parce que c'est extrêmement difficile pour la pauvre Xiala de vendre... Rien. Rien. Du rien. Ben, on avait du parfum. Oui, c'est ça, mais elle l'a déjà tout vendu la première journée. Ce qui fait que, malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Et voilà où nous en sommes. Donc, une des premières choses à faire, ce serait de trouver ce qu'on vend.
Non? Ben, trouver du matériel, là. Ben, ouais. J'ai trouvé des matériaux et des, des choses à mettre ses fournir en tant que tel. Puis, on est autant aussi pauvre, fait qu'on peut pas l'acheter, le matériel. Moi, j'avais ramené des plantes. Vous avez des plantes que t'as ramenées qui sont en train de pousser, malheureusement. Oui, malheureusement, ça prend pas deux jours à pousser. Vous avez pas de druide qui est capable de les faire pousser plus vite encore. Fait que c'est ça. Une petite pousse d'écorce, là, non? Parce que c'est on met du bone meal dessus, pouf, faire pousser ça tout de suite. C'est ça. On n'est pas à Minecraft, malheureusement. Bon. Fait qu'il va falloir aller se trouver des matériaux et tout ça. C'est vrai, je voulais aller avec... je voulais aller magasiner avec Fabric. Fabric, je voulais aller au spot des nains pour se trouver des matériaux. Non. Ça, tu l'as fait la dernière fois. Ok, c'est ça. Pis tu t'es dire non. Ok. Parce que tout leur stock de métal est à l'Abiscus. Si tu te souviens bien. Fair enough. Pis la seule. Ça, c'est l'enclave pour un marteau. Sinon, ta seule ligne pour avoir du métal, comme tu me parlais, c'était d'aller à Valmoldir. Mais ça incluait de négocier un deal avec Séjour avant même de partir, puis de te laisser taxer sur. Puis là, t'es comme on a déjà pas une scène. C'est vrai. Ok, c'est ça. C'était le détail que j'avais. Je suis comme, ok, à Valmoldir, faut fasse de quoi. Mais... Ah non, c'est beau. Ouais. Maudit Séjour. So, en gros, qu'on fasse n'importe quoi en ce moment, on est rendu à un point qu'on a besoin de cash. Ben, présentement, pèse sur votre tête. Vous avez toujours pas été dire que vous aviez réussi le premier assassinat. Ça, c'est pas fait. On n'a pas encore trouvé le contact avec qui on est supposé. Oui, vous savez, il est où? C'est Logan Blake, puis il est dans une place qui s'appelle le Diner, dans le Mercat en Nord. Oui, mais on n'est juste pas encore allé. Non, vous n'êtes pas allé, fait que vous n'avez pas le deuxième. C'est ça. La deuxième série, effectivement. Fait que, mais... Bernard, faudrait peut-être aller trouver Logan. Ça, je pense que ça peut être une mission pour Bob, là. Ouais. Oui. Mais en théorie, on a-tu une grosse presse? On avait-tu un délai de temps? Je ne me rappelle plus. Vous aviez un an. On a un an. Oui, on a un an pour payer. Il nous donne... Oui, on a un an pour tuer les 5 personnes, mais on a 2 mois pour payer, commencer à payer. Payer Koa, ouais. Oh, ouais, Koa, c'est ça. Exact. C'est 2 mois, ouais, c'est ça. Donc, oui, je peux aller faire un tour, voir Logan. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on serait d'âme de demander à Logan s'il n'y aurait pas genre un side work à nous faire faire? La dernière fois, on n'avait pas comme checké, pas trop se mettre de leur côté directement visible. Peut-être de quoi te cacher, mais je crois que Koa, justement, est pas très ami avec eux autres. Je pense que c'est comme chien-loup. Ça serait peut-être mieux de pas trop ouvertement se montrer en lien avec eux autres. Ben, tout genre de bonne société, qu'ils soient criminels ou pas, n'aiment pas les partisans. Les partisans sont des terroristes. Ok. Ouais. Les partisans sont des gens qui n'aiment pas la société. Fait. Non, c'est pas ça, mais ils sont considérés comme des terroristes. Ouais. Mais ouais. On avait... C'était dans le district universitaire qu'on avait spoté comme une espèce de... Voyons... C'était Céline qui avait spoté une entrée vers... Voyons... Vers les sous-sols. Ah, c'est ça. Pour l'épée. C'est pour l'épée, ok. Ben, oui, c'était pour l'épée, mais en même temps, si on réussit à aller looter un petit stock pour vendre, ça pourrait être pas mal. On pourrait pas pire, là. Des trucs un peu maganés que je pourrais, comme, rafistoler ou quoi que ce soit, ça pourrait être le fun aussi. Mm. Et fait oui, que... c'était dangereux. Ouais. Ouais, oui. C'est ça, mais tu sais, y a-tu quelque chose qu'on fait qui est pas dangereux? Yeah. Ben, ok, à part crafter, là, mais il y a que moi qui fais ça. Ouais, mais faire une game de craftage, ça laissait sous-entendre qu'on avait pas le niveau pour aller là, c'est juste ça que je veux dire.
Non, non, vous avez le niveau, c'est juste uniquement dangereux. Ouais. C'est juste qu'à deux, Célène puis Valriac, c'était comme pas le meilleur plan de se pointer à la face-là. C'était plus ça l'idée, c'est qu'il était deux. OK, effectivement. C'était pas quelque chose que comme, ah, un petit après-midi, on va aller chiller là. Non, non, non. Vas-y avec ta gang, prépare-toi à mourir. Et tout. Parce que là, l'objectif, ce serait ça. Ce serait de nous trouver quelque chose à faire, une mission quelconque qui pourrait nous rapporter un petit peu de sous. D'une. Ben, je pense qu'on peut commencer par aller rapporter la nouvelle du décès de choses. Ouais. Annoncer, aller tourner à Quest. Ouais. Ça, puis genre, peut-être aussi voir avec Xiala comment est-ce qu'elle pourrait se faire aller les connaissances pour comme nous aider. Contact, hein. Ah ouais, c'est ça. Se faire aller contact pour nous trouver des fournisseurs. Mon cher Fabrique, je vous l'ai déjà dit, vous me donnez 200 pièces d'or, puis je vais la remplir, votre boutique. Il n'y en a pas de problème. On a-tu 200 pièces d'or? Oui, on a 200 pièces d'or. Oui, on en a dans nos poches. Oui, mais... Papa. On en avait-tu assez pour ça? C'est quand même une bonne offre. Le jeu de oui, absolument. Pas pire! Je veux dire, 200 pièces pour 200. Nous remplir. Oui, mais 200 qui pourrait nous donner 400, mettons. On s'entend qu'il n'y aura rien de magique, mais ça va être du stock d'aventuriers, là, des cordes, des grappelins, de l'équipement, des armes normales. Je vais m'occuper du métal pour que vous puissiez en forger un petit peu. Ah, oh, j'aime ça. Il fit dans la forge, qui est la partie de notre titre. Oui, oui, sans problème. C'est juste que c'est pas des choses qui vont vous permettre de les enchanter ou quoi que ce soit. Ça va être. Non, non, il faut commencer à quelque part. Fait que donnez-moi 200 pièces d'or. Juste commencer à tirer des gens. Ça va me faire plaisir. Donnez-moi 200 pièces d'or et j'y vais. Bon, ben faisons ça. Voyons, pourquoi ça a pris autant de temps que je réalise ça? Trésorier! Ouais. 200 pièces d'or pour la madame. Le coffre y est là. On est à 497. On est maintenant à 297. Yeah. Correct. C'est beau, on va avoir du stock, mais il faut quand même y aller parce que, d'après moi, on n'a pas grand revenu là-dessus. Donc, donnez-moi environ la journée et ça devrait commencer à rentrer demain matin. Merveilleux. Parfait. Logiquement, pendant cette journée-là, elle n'est pas là. Ouais, ben, c'est ça. Malheureusement, elle peut pas être à deux places à la fois. Elle n'a pas le niveau, elle, non plus. Quel plan de marde. Fait que, on vient de se canceller la journée. Là, on peut plus partir à l'aventure aujourd'hui. Ben, en fait, pour le magasin, il n'y a rien à vendre. Ah, c'est vrai. Il est fermé, là. Ben oui. C'est pas comme ça. Au contraire. Ça fait trois jours qu'on la paye pour rien faire. Ouais, c'est là, ça, on la paye pour qu'elle se trouve là. Au contraire, elle n'est pas là. Fait qu'elle va encore moins voir quand s'en va faire un donjon, genre. Ouais, mais... Elle sait qu'on est du monde pas correct, oui. En tout cas, elle s'en doutait beaucoup. C'est pas clair encore de mémoire. Mais. Me semble que c'était genre obvious, là. Me semble dans l'entrevue, elle nous a comme. Genre démontré. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Elle nous a démontré à quel point elle était le meilleur mercenaire que nous autres, là. À quel point ses valeurs et ses talents s'alignaient parfaitement bien avec les nôtres. Oui. Nos orientations. Le politicien parle. Absolument. Le politicien a parlé. All right. Fait que Xiala est parti chercher votre stock et pour remplir le magasin. Moi, je vais me transformer en Bob et aller voir Logan. Puis quand je reviens, on va-tu faire un tour dans le coin de l'université? Checkez donc vos notes à propos de quand vous remettez une mission aux partisans. Il me semble qu'il y avait des stipulations là-dessus. Qui a pris des notes? Hugo? Oui, mais j'ai mais le papier, je trouve plus le bon. J'ai trop de cartables. Right. La stipulation des partisans, c'était que les cinq se présentaient. Ah oui, c'est ça. Bon, ben, on va y aller en gang. On y va, écoute. Tôt. On va prendre une petite marche. Ça me semble pas aussi simple que ça.
De quoi? Oui, c'est aussi simple que de prendre un petit marché. C'est dans un espèce de restaurant. Là, ok. Attention, ça tombe dessus, là. Oh oui, ben écoute, mon mur a tombé, puis je me suis roulé ses pieds avec mon avec ma... Mon ben, Dieu. Voyons ma chaise. Ah non, ça va pas bien, ça va pas bien. T'es pas supposé de faire mal, man. Tiens, ça marche pas ton enfant. Mais avant de partir, Caf! Ah! Oh. Ok, merci. Je vous ramène. Merci. Mais là, j'ai un écran mort, par contre. Oui, attends, je te ramène. Oui! Magie! Et voilà. Ok, cool. Shirley aimerait ça parler avec Sonol en privé, fait qu'elle va en profiter à un moment donné pour le tasser dans un coin. Genre, okay. Là-bas. Genre, je peux pas bouger. Ok, genre dans les plantes. Elle va l'emmener dans les plantes. Fait que pendant qu'elle l'amène dans les plantes, Céline, tu peux-tu... tu sais, m'a t'amené en avant, là. Hein? Fais-moi un perception check pendant que t'es là. Oui, je m'en étais demandé si je pouvais faire ça. Ok. J'ai 3, ok. Okay. Tu dois voir de quoi. En face de la boutique, il y a 3 chats qui sont assis et qui te regardent à travers la fenêtre. Je vais sortir. Je vais aller voir les chats. Ok. Minou, minou. Les 3 chats te regardent. Quand tu t'approches pour les flatter, ils se frottent sur tes jambes. Tu sais, comme les 3 en même temps, ils commencent à rouler autour de toi, se frotter sur tes jambes, puis ils s'en vont tranquillement. Puis t'as l'impression qu'ils te demandent de les suivre. Ok. T'es soit où ben ils explosent en nuages. Céline, elle a les yeux pleins d'eau, puis elle les suit. Genre, elle suit les chats. Ok. Je t'en reviens. Pourquoi j'ai de la musique qui se tord dans mes oreilles? J'ai Honey, I'm Good qui me pop des oreilles tout d'un coup, là. C'était pas le temps. Excusez. Ouais, fait que je reviens avec Céline. Vous pouvez y aller. Excusez, Shirley et Sonol. Yeah. Oh, ok. Tu voulais me parler? Sonol, t'es une personne à qui j'ai beaucoup de envers qui j'ai beaucoup de confiance. J'aimerais ça te dire quelque chose, mais faudrait pas que tu le racontes aux autres. Vas-y. J'ai pas l'habitude de dire quoi. Oh oui, j'ai pas l'habitude de dire quoi que ce soit qu'on me demande de pas dire. Ok, parfait. C'est pas clair, non? Ça va fabriquer dans sa forge à juste faire ping, ping. J'aimerais savoir du métal. Ping, ping, ping. C'est rien dans le fond. Oui, oh, oui, exactement. Là. Je fais juste comme enterrer complètement le son de leur discussion. Pour qui que ce soit d'autre. Très subtil. Je voulais te dire que la dernière fois, je vous ai menti. J'ai eu des informations sur les chimères, les personnes qui se transforment comme moi. Quoi? Sonol essaie de se rappeler. Il se rappelle-tu qu'est-ce qu'il s'est dit exactement? Ça doit. Moi, j'ai un blanc, fait que... Ben, elle avait dit qu'elle n'avait pas d'informations. Ok, elle avait dit qu'il n'y a aucune info. Ouais, c'est okay. c'est ça. C'est pas mal ça que c'est passé. J'ai appris que c'était possible que je me transforme complètement. Je le sais pas. Je sais pas ce qui pourrait se passer. Peut-être que je pourrais devenir complètement une chimère, puis ça me terrifie. Mais si ça arrivait, je voudrais te demander de penser à tout ça, puis de me tuer. Si je mettais en jeu la vie d'une autre personne. En gros, tu demandes que si tu te transformes complètement en chimère et que tu n'aies plus contrôle de toi, parce que j'imagine que tu te transformes en chimère et que tu as le contrôle, je me verrais mal te tuer pour rien. Non, c'est ça. Ça serait comme une situation où... tu viens berserk. Il n'y aurait plus rien à faire. Là. Donc... Je dois vérifier mes arrières avec toi, mais très bien, je vais faire attention, mais pour le groupe, j'en dis rien pour toi, parce que tu me l'as demandé, mais pour le groupe, ça serait pas mieux qu'on en parle avec les autres un de ces quatre. Je sais que t'es peut-être pas prête, mais c'est quand même risqué. Ouais, peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Je voudrais pas que ça fasse paniquer quelqu'un. Parfait, mais inquiète-toi pas, je le dirai pas, mais je vais prendre soin de vérifier tout changement qui pourrait arriver sur toi.
Ok, merci. Puis si jamais ça arrivait, j'ai laissé une lettre pour ma mère, puis elle est en dessous de mon lit. Et comment je ferais pour trouver ta mère? J'ai tout inscrit, là. T'auras rien à faire. Ok. Très bien, parce que aucune idée d'où tu viens, mais oui, je ferai ce qu'il y a à faire. Ok, merci beaucoup, Sonon. Je l'ai dit sans rire, là. Je ferai ce qu'il y a à faire. C'est tout ce que oui, j'avais oui. à dire. Parfait, ben merci de me faire confiance avec ceci, mais je tiens quand même mon point, mais je ne dirai rien. T'inquiète pas. Parfait. Ok. On retourne dehors. Célène, tu suis les trois chatons jusque dans une ruelle qui est fermée. Est-ce que tu entres dans la ruelle? Tout ce que tu entends dans le fond de la ruelle, c'est des miaulements. Célène entrait dans la ruelle sans se poser de questions. Ouais, elle est trop okay. Hype des chats, puis elle se pose pas de questions. Ouais. Tu rentres dans le fond de la ruelle, il y a une trentaine de chats qui sont tous assis là. Il y en a sur deux paliers, t'en vois sur les balcons, comme au-dessus de toi, il y en a à terre. Ils sont tous assis, ils ont tous l'air très calmes, puis ils sont tous en train de te fixer. Je vais appeler Ruelle, juste pour savoir s'il est là, je vais faire comme... Ruelle? Tu ne vois pas Ruelle. À la place de Ruelle, par exemple, il y a des feuilles qui viennent derrière toi. Et je vais leur montrer. Tu vois un félin que tu as déjà vu, qui est assez grand. Sans ses cornes, il arrive à peu près au niveau de tes hanches. Ce qui est quand même assez gros. Puis avec ses cornes, il arrive à peu près au niveau de tes épaules quand il est assis. Il s'assit, il te regarde, il cligne des yeux. Est-ce que je sais que c'est le roi des chats? Je pense que Célène étant une orpheline, tu sais très bien qui c'est. Okay. Le roi des chats dans les légendes de Dracossia, c'est le protecteur des orphelins. Ok, ben je vais m'agenouiller devant le roi des chats. Puis je vais lui demander... Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui, là? Pourquoi il m'a amené ici? Je crois que nous sommes à un moment où nous pouvons faire quelque chose l'un pour l'autre. Je vous écoute. Tu as encore des visions? Une grande marée noire. Je suis un peu surprise qu'il soit au courant. Puis je vais le laisser continuer. Excuse-moi. Ma pauvre enfant, nous t'avons mis une lourde responsabilité et un lourd fardeau sur les épaules. Dans certains cercles, ils t'appellent la sorcière de la destinée. Sur toi repose le poids de tellement de choses. Et personne ne te montre la voie. Personne n'est là pour te protéger. Personne n'est là pour t'indiquer le chemin. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin? Je peux même t'enlever ton fardeau. Si tu le souhaites, et te ramener celui que tu as perdu. Mais, comme dans toute chose et toute transaction, il y a un prix. Jadis, ma douce Célène, tu étais quelqu'un qui cherchait à protéger les jeunes enfants. Tu étais un exemplaire
pour les miens. Les enfants étaient ta priorité, et tu aidais les plus démunis que toi. Mais, avec ce maudit fantôme qui t'a habité, avec toutes les horreurs qui te sont arrivées depuis quelque temps, ta voix s'est embrouillée un peu. Et bien que je ne veuille pas t'indiquer le chemin, j'aimerais te donner une chance de redevenir celle que tu étais, mais sous ma tutelle. Là, est-ce que le roi des chats me demande de faire un pacte avec lui? Mais je veux savoir ce que ça implique, en fait. Ben, c'est ça. Tu parles mécaniquement ou... Ouais, mécaniquement. Okay. Genre, mécaniquement. Tu sais, quand il dit que je vais redevenir comme avant, est-ce que, genre, je perds mon... Ouais, tu perdrais ton sorcerer au complet, puis tu regagnerais tes warlock levels. Ben, c'est ça que tu m'avais parlé de faire. Fait que je voulais te donner le choix. Fait que dans l'histoire, je peux le justifier comme ça. Fait que ça, c'est... là, c'est up to you. Ou sinon, tu peux, quand tu vas monter 6e niveau, prendre Warlock 1. Si tu veux, c'est puis ça, garder. Bon, ben ça, tu peux le faire. C'est que le pack, c'est on va l'enclencher là, puis après ça, tu prends le niveau de Warlock après. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Très bien. Ben oui, j'ai. Oui. Oui. Attends, tu n'as pas entendu le prix. Ah, excusez. Oui. Ce n'est pas grand-chose. Comme tu sais, tous ceux qui me servent ne doivent jamais faire de mal à un orphelin. Tant qu'il n'est pas majeur. Ensuite, Ruel, lorsqu'il te retrouvera, va te passer un message. Ce message est très important. Tu devras t'assurer que la personne qui doit l'entendre le fasse. Connais-tu? Je promets. Je te promets de faire tout ce qu'il faut pour récupérer Ruel. Il est présentement pris dans une caverne sur un bateau, mais il va venir. Ceci dit, justement sur ce bateau, il y a un être qui est suprêmement important. Et tu devras t'assurer qu'il est prêt à faire face à ce qui s'en vient. Et ça va être difficile. C'est qui on parle? Connais-tu le paladin au nom de Fisher Mackenzie? Est-ce que j'ai croisé Fisher durant l'event? Oui, mais Valriax le connaît beaucoup plus que toi, genre. Fait que tu peux l'avoir entendu, mais le nom, mais... Dit ouais, chose. Le nom va dire quelque chose. Il avait un frère. Il est mort. Mais il n'est plus dans sa tombe. Oh. Et maintenant, il sert le grand Calmar. Qui bientôt amènera la grande marée. Fisher doit tuer son frère. Et comment je peux convaincre quelqu'un de tuer son frère? Son frère est déjà mort. Tu dois juste le convaincre de faire la bonne chose. Rappelle-lui de qui il était. C'était un des grands guerriers de l'armada noire de Thurstred. Et s'il ne comprend pas, au pire, demande à ton ami le grand gaillard. Il a l'air d'être bon pour convaincre les gens. 3-4 claques en arrière de la tête, ça fait pas de mal à personne. Il y a d'autres méthodes. Je vais me rappeler de ce conseil. Fais attention à toi, Céline. Je t'ai à l'œil. Maintenant, tu es sous ma protection. Et si, merci, n'oublie pas merci. Que si tu décides de courir après l'épée de ton ancien soi-disant protecteur, il va tout faire pour t'en empêcher. Il est déjà en train d'en courtiser d'autres. Juste pour t'empêcher, toi ou le vampire, d'atteindre votre but.
J'ai rien à répondre à ça. Ok. Il te regarde, il cligne des yeux. Il y a comme un coup de vent qui passe, puis il devient comme des feuilles, puis il disparaît. Puis quand tu te retournes, les à peu près 40 chats qui étaient là, il n'y en a plus. Je vais retourner tout bonnement au magasin. C'est bon. Comme si de rien n'était. C'est good. Si vous êtes très, con. Très drôle, Hugo. Ouais, ouais. Excellente blague. Il y en a juste un, ça doit être plus facile. Justement, t'as pas l'embarras du choix duquel. Ouais, ouais. Mais là, c'est parce faut que tu focuses sur lui, puis il sait, fait qu'il va le tasser. Fait que c'est pas si pire. Le roi des chats est pas disparu en faisant un « Yaha! » Donc ça s'est bien passé. Un petit rire maléfique, on sait pas, là. En réalité, ce qu'il a dit, c'est qu'il était pour essayer, puis qu'il était déjà en train de manigancer des affaires pour vous bloquer. Il a pas dit que c'était la mort si tu y allais, là. Pas ça pas tout. Voilà. Mais là, le protecteur des orphelins, ce qu'il a fait à la dernière game des Bellarty. T'as-tu écouté la game des Bellarty? Il a expliqué exactement pourquoi est-ce qu'il pouvait rien faire. Ouais, non, j'ai... Tu réécouteras la game, puis là, il explique pourquoi. Voilà. J'ai la grippe, moi aussi, là, ça compte pas. Fait que là, Ruel, il va revenir quand? Hein? Ruel, il veut rien. Il t'a dit, le Ruel, il t'a dit, il est pris sur un bateau. Eh oui, mais là, il a dit qu'il allait venir pareil, là, qu'il sorte du bateau, là. Ok, je vais aller chercher. Okay. C'est ça qu'on fait, gang, on va chercher Ruel. On va se cry. On va se trouver quelqu'un, on va se cryer, il est où, on va le chercher. Fuck. On s'en va chercher Ruel. Arrête dans le magasin. On va chercher Ruel. Ouais, c'est drôle ça. Tu rentres-tu dans le magasin en disant ça va chercher Ruel ou tu parles pas? Non, pas du tout. Ok, c'est bon, c'est juste parce que je suis comme. Shirley et Sonol sortent de la. Ouais, sort de la gueule, je la serre, puis. What the fuck? Mais tu sais, je suis énervé, là, mettons, là. Je parle pas, je dis rien, mais je suis vraiment, tu sais. Je suis énervé, puis je suis fébrile, puis. C'est ça. Wow! Fait que. Vous avez si hâte que ça d'aller dire qu'on a tué notre target? C'est pour ça qu'il est comme tout énervé. Comme, ok. Je pense que je viens de faire un pacte avec le roi des chats. Mais dis-le pas trop fort. Hein? Ruel va revenir. À qui, là? À moi? Je continue à faire mes affaires. Ouais, à toi. Ok. Valriax? qui a avoué? Ben, il y a Valriax, Sonol. Je vois pas Shirley. Shirley dans les toilettes, c'est beau. Fait que vous deux... roulez-moi un jet de perception. Sonol et Valriax. Ok. Valriax, les pupilles de Célène sont plus rondes. Okay. Donc, c'est comme des pupilles de chat. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est quoi la drogue? c'est la marque d'un warlock du roi des chats. Il est en train de se transformer en furry. Sous leur masque, bon. Tous les furries ont ses yeux. Le catnip. Le catnip. Oh mon c'est dieu. Bon. Le catnip. Oh wow. Parfait. Fait que quand elle nous le dit, je suis comme, ok, je le vois, tu sais, genre, ça paraît. Tu sais, on la croit. Il y a quelques liens, là, on comprend. en passant, Variax, qu'est-ce que tu sais de. Comment il s'appelle Fisher McKenzie? Fisher. Ah, Fisher. On a vécu toute une épopée ensemble durant. Ben, le mix, là. La voûte. La voûte, merci. Ouais. Et. Et au début, il me revenait pas tant, là, un autre paladin dans la même mission que moi, mais je pense qu'à la fin, on était du bon. On était du même avis, okay. Du monde, on s'est bien entendu. Mettons que je te dis qu'il faudrait le convaincre de tuer son frère qui est déjà mort parce qu'il est en train comme d'être contrôlé par genre, I don't know, un gros calmar géant. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire ça?
Ben oui. J'aime comment elle dompe ambition sur Valriax. C'est son frère Ned. Non, du tout. Même son frère, il est déjà mort, il le sait. Mm-hmm. Facile. Juste... Ben oui. Écoute, la moitié de la job est déjà faite. Ça va bien se passer. Mais non, c'est ça. Mais non, pour vrai, blague à part, je crois que c'est un être doté d'un bon raisonnement. Je crois qu'on va être en mesure de le raisonner convenablement puis de le faire réaliser que ben qu'il est déjà mort puis qu'il faut faire la bonne chose. Parce que je sais pas si tu te souviens, là, tu sais, je t'avais parlé de ma vision, là, la vague noire puis tout, là, ben... c'est un petit peu en lien, là. Fait que faudrait faire quelque chose. T'es sûr que t'as pas pris une drogue du chat, non? Non. Ok. Pas de drogue. Tu vas-tu mettre à miauler, non? Okay. Ils sont cons, calices! Elle dit ça, pis genre, elle se frotte sur le cadre de porte. Ça va de rien! Wow! Elle ronronne un peu sur le bord. Sam, t'es clairement l'homme de la situation. Ok. Bon, est-ce qu'on va chercher. Comment il s'appelle? Logan. Collé. Ouais. Logan? Non. Logan, au dinner. Ouais. Okay. C'est ça. Logan. J'en gratte dans l'arrière des oreilles, voir. Qui répond à Blaze, qui lui est le chef des partisans. Le chef des partisans dans la section du Mercalanor. Je vous explique la map un petit peu, parce que c'est un petit peu très confus. Ici, là, dans le centre, c'est le premier étage. Ici, vous avez le sous-sol. Puis l'autre bord, c'est le deuxième. On se comprend? Ok, cool. Ça, c'est juste pour... On se comprend. C'est bon. Fait qu'on peut pas comme accidentellement rentrer par le sous-sol. Non, s'il vous plaît. De toute façon, il n'y a pas de porte d'entrée. C'est juste si vous me demandez comme quoi je peux pas aller là. Ben, c'est parce que tu peux pas passer. La porte est devant vous. Ah, ok. Pourquoi c'est moi qui ouvre? Non. Ok. Je suis pas supposé être apte socialement. J'essaye, mais je suis pas supposé. Ça va être des jokes, Céline, c'est un chat. T'as le dit, là? On n'a pas fini avec ça. On aurait dû... ouais. Ça, la... Oh. Ok. Mmh. Le nom du catnip, c'est de la catère. La chatère. On pourrait plugger ça dans le nom de la chat. Asti. Non, en un nom, le... On change pour Chatterie et Forgeron, là, que c'est ça? Gare et Forgeron. Gare, c'est les deux! On se part un élevage de chats, gars! Je savais que ça s'en venait. On va avoir des motifs de chats dans tout. Incroyable. Vous entrez à l'intérieur d'un espèce de... C'est pas vraiment une taverne, c'est plus un restaurant. Vous entendez le grill se faire en arrière, il y a des filles au bar en avant. Il y a quand même pas beaucoup de clients, il y a juste 5 clients à part vous autres dans le bar. La plupart du staff a l'air de venir de Wesselas. Donc ils portent tous, sont tous habillés comme des cowboys finalement. Et ils ont tous l'air d'être en train de travailler, sauf un. Si on se fie aux icônes, ils ont tous l'air de cowboys. Ben, pas toutes, là, mais oui. Ouais, cowboy ou pirate, là. La plupart du staff ont l'air de cowboys. Ouais, c'est ça. Le staff, on l'a déjà vu, nous. Ouais, Logan, non, c'est pas le même. C'est lui au... C'est lui au fond, parce que c'est facile de voir que c'est le seul qui est unique en bleu. Mais, c'est pas lui, vous aviez vu un autre représentant. Ceci dit, l'œil vif de Shirley a vu le bon. Okay. Monsieur Logan Blaze est effectivement Blake, c'est-à-dire, excusez. Je vais vous montrer le monsieur en question. Ah, c'est Indiana Jones. Not bad. Indiana Jones a pas. T'as pas le même Indiana Jones que moi. Hey boy! C'est l'interprétation AI d'Indiana Jones.
Et... D'après moi, c'est juste le chapeau que j'ai vu. Ok, parce qu'il y a, la... il y a, ri... il y a pas l'air, non, du tout. Non, c'est bon. Hein, il... Non. Je sais pas, il y a genre... Tête comme le chest à The Rock, pis comme les cheveux de... voyons. De The Rock, mais... Ouais, plus, va... plus Valencing comme chapeau. Ouais. Jason Momoa. Un hein? peu. Yeah. Ouais, ouais, c'est un AI qui l'a fait, fait que voilà. Il est assis en arrière, il y a une grande épée qui est posée sur la table en avant de lui. Il est en train de lire des documents. Ben, je pense qu'on va s'approcher lentement de monsieur, tout en gang, tu sais, je veux dire, ça fait tellement pas subtil dans un resto où il y a juste 5 personnes. Ah, oh, la face de Steven Seagal quand il était jeune, ouais! C'est ça. Oups, tu fermes la porte. Il s'est embarré de voir. Fuck! C'est moi. Ah non, comment ça fonctionne? Non, c'est juste que le bouton de porte était sur mon token. En voulant déplacer mon token, j'ai accroché la porte. Ah, ok. On va tout à sa table. Ben oui, ben, il faut qu'on soit tous là. Les 5. Ben oui, mais on est les 5 dans la pièce, là. C'est pour ça que je disais qu'on l'entourait un peu, là. Ouais, est-ce qu'on est obligé de s'asseoir les 5 avec lui? C'est vrai que ça fait cringe un peu, là. Je l'écoute de dos. Non, ouais, mais je vais suivre... Ils vous regardent tous rentrer un en arrière de l'autre, genre, puis vous vous asseyez. Ouais. Je vais me mettre là, moi, je vais rester un petit peu loin, tu sais. Bonjour. Bonjour. C'est bien vous, Logan? Oui. Et vous devez être les incroyables mercenaires de l'ombre. Bonjour, c'est Bob. Célène, pouf de rire un petit peu, là, à trouver ça drôle ce qu'il vient de se dire. Les incroyables. Les incroyables. Vous avez changé de nom? Non. Non. C'est beau. Ok. Vous voulez faire ça ici ou vous voulez aller à mon bureau? Je pense que ça serait préférable de votre bureau et de pas nous appeler par le nom qu'on est supposé de pas dire, genre. Ça pourrait être bien. Certainement, Sonol! Puis se lève debout. Je vais me tasser pour qu'il passe. Fait qu'il y a un numéro 6, ça liste, c'est ça que... Okay. Peux-tu prendre un verre de vin pour apporter? Ça m'a donné envie de boire tout ça. Je vais vous en faire monter un ou en haut. Il n'y a pas de problème. Donc, il vous fait... Là, je vous ferai pas zigouner dans le bar. Là, je vais juste vous transférer les tokens à la bonne place. Wow. Donc, Shirley... Téléportation. Célène... Valriax... Pourquoi t'as amené ton petit robot? Bâton. Mais c'est toi qui l'as rentré. Non, je l'ai pas rentré, je l'ai mis dehors. Ben non, toi, c'est toi qui l'as mis sur la map. Oh oui, ok. Merci, tu me suis. Bye. Bon, c'est réglé. No! Tu devrais le faire en partie Transformer que quand il est pas utile, il se met à mort. Ouais, ça va être dans lui. Hein. Ben c'est le cas. Il est comme imbriqué dans moi, puis quand je l'utilise, ben il sort. Ah, ok. Fait que ce que je disais, il y avait de l'allure. Mm-hmm. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire, sauf Dame Célène, ça s'en vient? Je prendrais bien une bière si vous l'offrez. Mm-hmm. Non, moi, je suis correct. Je me verrais mal refuser un verre de bière. Le meilleur cocktail du restaurant. Pas rien, là. Un petit cocktail. Un Sex on the Plains. Pas de problème, je vous arrange. C'est bon. Moi, je peux rien boire. S'il y a quelque chose que je bois, ça va se retrouver à terre. Donc, il vous amène tout votre drink. Effectivement, il t'amène un Sex on the Beach qui a appelé un Sex on the Plains. Voilà. Donc. J'imagine. Non, j'imagine pas, je suis déjà au courant. Vous avez accompli le premier.
Oui, ça a été assez direct. Est-ce qu'il y a eu des embûches? Pas directement. Il lève un sourcil. Il semblait y avoir un médaillon qui m'aurait... Je crois qu'un médaillon magique était là pour détecter une attaque ou quoi que ce soit, mais... Rien qui m'aurait reconnu selon moi, mais... Vous aviez un déguisement particulier? Comme d'habitude, oui. Un sortilège? Ou un déguisement physique? C'est actuellement très, très important. Je dois t'avouer que je m'en rappelle tellement pas, mais c'était un déguisement physique parce que j'avais mon masque. Si c'est physique, il n'y a pas de problème. Faut faire attention quand vous faites ça, parce que ces yeux-là voient au travers des sortilèges. Comme ça s'est passé à l'extérieur du district de la trésorerie, ils vont engager fort probablement de l'aide externe pour enquêter. Donc, dépendamment de la qualité des enquêteurs et des preuves que vous avez laissées. Je crois que nous avons été assez bien discrets. Ah yeah, les masques ont servi à de quoi? Go les masques, go les masques. Après tout, vous l'avez dit, nous sommes les incroyables mercenaires de l'ombre. Ça elle n'est pas supposée plus boire, elle. Je pense pas que t'as besoin de boire et... Un robot qui headbang à côté, là, je veux dire. Laissez-moi vous rassurer, aucune trace n'a été faite. Comme on dit dans le domaine, ça a été clean. Même sa femme et ses enfants se sont rendus compte de rien. Très bon travail. En plus, vous n'avez pas fait de dommages collatéraux. On essaie d'éviter le plus possible pour l'instant. Comme je disais. On était prêt à mener notre mission à bien, quoi que coûte. Mais oui, ça a bien été. Nous n'avons pas eu besoin de faire d'autres victimes. Incroyable. De main de maître. Ouais. La prochaine va être un petit peu. Du moins, elle va avoir besoin de moins de subtilité. Je regarde Volriax, puis je dis, c'est pour toi ça. Il est en buzant en buvant mon verre, mais. De la sorcière qui a pris Fireball. Il met. On sait jamais quand ça peut être utile. Il met une pièce sur le. Une pièce d'or sur la table en avant de vous. Il met une pièce d'or, t'as dit, excuse? Ouais. Mm-hmm. C'est pour nous? Ça va nous en prendre un petit peu plus que ça. Ouais. Y a-t-il une face dessus? Y a-t-il quelqu'un qui y touche? Ben. Je la prends. Okay. Ouais. Quand t'apprends, il y a comme une projection qui en sort. C'est ça. Voilà. Ah, oh. Il est beau. Oh, Maxé. Son nom? C'est Mortario. Jadis, c'était un des chevaliers de la maison Volturi. Ah, ouais. Il a la gueule d'un Volturi. Oh, il est dans le style. Il est dans le style. Il sait. Mais Jadis. Ouais, parce oui, que c'est plus un humain. Mm-hmm. Mais il travaille encore pour Volturi. Ah, il s'est soumis volontairement et a aidé la marquise à accomplir le rituel qui a transformé le district en mort-vivant au complet. Oh là là. Il n'y a pas échappé. Il est loyal à la maison Volturi avant toute chose. Et c'est aussi le bastion protecteur du district des pièces. Si vous voulez un genre de capitaine de la garde pour le district la nuit. On aurait besoin que vous l'effaciez. Ah, ça, on s'en doutait.
Ça va coûter cher d'eau bénite. Ça sert à rien quand on en offre, vous n'en savez pas. J'essaie de savoir si mon maître serait heureux que je tue un mort-vivant pour rapporter l'arme au... Un mort-vivant? T'as pas besoin de ça rouler. Ça a pas d'arme. C'est ça que je me disais. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose qui va me rapporter par rapport à mon maître. Non. Merde. Mais... Pas celui-là, mais, non. Je veux dire, pour arriver à lui... Il y a des chances qu'il y ait d'autres vivants, mais... Ou d'autres morts vivants, là, Marc. C'est le capitaine de la garde... Des Volturiers. Ouais, la garde... Ben, non, c'est... Non, c'est le capitaine de la place... du district des pièces. Donc, pas le manoir, mais c'est lui qui gère où est-ce que les banques, là, puis tout le kit, c'est lui. Puis, tu sais, quand ils disent la garde, vous êtes tous au courant, là. C'est pas des soldats, là. Ouais. C'est des undead, puis des ghouls, puis des bibites de même. Il y a rien vivant là-dedans, là. Oh yeah, je vais pouvoir me faire aller le... Voyons, comment il s'appelle donc ce spell-là? Moi, je suis content de mon multiclass. Hein. Il va servir à quoi? Mon Sacred Flame! Et vous voulez qu'on fasse ça devant tout le monde? Vous voulez que ce soit vu? Je vous le recommanderais pas. Non, c'est... La seule affaire, c'est que c'est, dur, c'est dur d'être subtil avec un mort-vivant qui dort pas. Mm-hmm. Ah... C'est ce que je voulais dire. Mais non, si vous le faites, vous allez oublier ça. Idéalement, de ne pas faire ça en plein milieu quand même. Là. On fera pas une exécution sur la place publique. Est-ce qu'on a des informations sur ses habitudes, sur son travail un peu plus, sur ses parcours, ses chemins, etc.? C'est assez simple. Il y a des morts vivants un peu partout dans la... dans le district. Lui et ses... Il se tient proche du cimetière d'une ancienne église. Vous pouvez pas la manquer, puis il vous sort une map, puis il vous pointe. Il y a plus personne qui sait à qui l'église était dédiée. Mais il est là. S'il y a une urgence, les morts vivants semblent l'aviser. Il sort de l'église avec ses créatures. Mais sinon, il est dans l'église. Oui. Dans le district des pièces. Ouais. Cool. Juste faire attention parce que en arrière de l'église, il y a un cimetière. Nice. On se comprend. Fait que ça peut raider assez vite. Mais ça dépend. Si lui a des pouvoirs de nécromancie, peut-être. S'il y en a pas. Ça, j'allais dire. Ça m'étonnerait. J'imagine que c'est plus difficile d'aller. Je veux dire comme ça, là, d'aller scatter les environs, d'aller chercher de l'information. Non, c'est le district des banques. Vous pouvez vous promener comme vous voulez. Il y a des banques partout. Mais jusqu'à l'église, même. L'église, puis il te montre, tu sais, il y a 6 banques autour. Okay. Ah, plus des mausolées. Fait qu'il y a des vivants qui vont là de jour. La nuit, plus difficile. Parce que aussitôt que le soleil se couche, tous les vivants sortent du district. Même ceux qui travaillent dans les banques, et etc. On a vu... une onde bronze de grande taille commençait à se promener autour du district de la trésorerie. Probablement un dragon du prince. Il y a des rumeurs comme quoi la cour des neufs, qui sont des seigneurs vampires, se rassemblerait pour un dossier. Qu'on a des informations davantage sur ça, sur ce rassemblement, une date non approximative. Mais je peux vous dire que le prince y est mêlé. Il n'y a pas une histoire comme quoi le prince aimait pas la maison Volturi ou quelque chose dans le genre. Il y avait une chicane, mais Dame Volturi a remis l'or au prince, donc je pense que les choses ont été arrangées.
ça a tendance à arriver avec notre cher prince. Les gens ont tendance à finir par voir la même chose que lui. Un grand coup de dragon de bronze, ça... Ça règle bien des problèmes. Ouais. Puis l'église, on a dit qu'on ne sait plus à qui était dédié. Fait que non. C'est-tu comme une ruine? Il n'y a pas, oui, y a pas de cérémonie qui se donne là? Non, exactement. C'est une espèce de ruine en plein centre que personne ne s'est donné la peine de réparer. Les rumeurs sont qu'elle aurait été détruite pendant le rituel. Ah. Comme toutes les églises de ce district-là, à bien y penser. Mm-hmm. Oh, intéressant. Parfait. Bon, donc on va pouvoir demander à pouvoir chercher plus d'informations si on veut avec Sonol. Et... Parfait. Fait qu'on sait maintenant que le prochain à mourir, ça va être Mortario. Merci pour les verres, pour l'alcool. Nous allons faire nos planifications de notre côté. Et quand c'est fait, vous venez me voir. Certainement. Avons-nous toujours l'obligation de se présenter les cinq? C'est plus simple, pour pas qu'il y ait des formations qui se perdent. Que je puisse vous parler les cinq en même temps, mais si vous voulez, il y a une porte arrière. Puis vous pouvez monter directement au bureau. Si vous voulez être plus... Je pense que la prochaine fois, on ira comme ça. Ça sera un petit peu plus subtil que d'arriver et de vous entourer tout à votre table. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il n'y avait pas vraiment de clients, c'était tous des partisans en bas. Mm-hmm. Mais, oui. Ah, sait-on jamais. Reste qu'on aimerait rester subtil. Je comprends. D'incroyables assassins comme vous, n'est-ce pas? Ben oui. Mm-hmm. Merci de votre compréhension. Pas. Ce serait une mauvaise idée de prendre des mauvais plis. Ah. Je suis curieuse, vous venez tous de Wesselan? Pas tous les partisans, non. Mais il y en a beaucoup. Je vous ferai pas une description de les philosophies de Wesselas, mais disons que la plupart des Wesselans tiennent la liberté à cœur et la démocratie. C'est quelque chose qui est très flagramment manquant dans la façon de diriger Dracossia. On aime tous le prince, mais les maisons nobles et les guildes du petit conseil, hein, on pourrait tous s'en passer. C'est pas exactement la définition de démocratie, pour ce que j'en ai compris. La Wesselas? Non, le régime là, en place là, avec le prince. Non, c'est pas une démocratie. Mais ce serait déjà bien si au lieu d'avoir des nobles et des guildes qui s'arrachent pour être les on top, que ce serait quelqu'un élu pour le peuple par le peuple qui conseille le prince, ça aiderait déjà pas mal. Mais bon, ça c'est une question philosophique. Et vous êtes des assassins et je suis un terroriste, donc c'est pas notre place d'en discuter. Tout à fait. Exactement. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? À part si vous avez une bonne manière de faire du cash rapide, non. Ben, il y en a plusieurs. Pas sûr que vous voulez tous les entendre. Donc, ça dépend de vos mœurs, moralité et... Disons qu'on restait dans le direct, en fait... le sincère. Si vous voulez qu'on parle de nos mœurs et moralités, ça va prendre plus qu'un verre. Ouais. Effectivement. Il y a ça. Et on n'avait pas déjà un plan? Ou ben, je me suis perdu. Oui, on avait un plan, mais c'est... Ok. C'est donner d'autres... Vous voyez d'en face à Céline qu'elle est toute perdue, parce qu'avant de partir, elle vous a proposé de demander s'il y avait un sideline, puis là, vous avez tout dit « Non, il ne demande pas », puis là, tu demandes. Fait que là, sa face, est genre « What the fuck », là, puis elle boit, là, tu sais, comme « Je comprends plus rien, là, fuck off ». Fabrique, lui, n'a aucune... Fabrique n'a aucune expression faciale, mais c'est un peu ça aussi. Genre. Oui. Nous remercions de l'accueil. Je crois que nous allons tirer notre révérence pour la soirée.
dit-il sans rire, là, évidemment. Au revoir! Merci, bye! Tu viens, ouais, c'est bon! Ok. On s'en va où, les mercenaires? À la maison. Ok. On n'allait pas chasser les chats, là. On a-tu le temps pour l'université, ouais? On allait-tu à l'université? On a fait ça? On va y aller demain, au pire. Ah, ben, c'est pour ça que je pose la question. J'aime la face assez. Là, il est. C'est le matin, là, genre, c'est ça. Là, attendez, là, votre... Ah, ben là... Vous voulez aller dans les ruines de l'université? Ben, ça dépend. Ben, c'est-tu un... Vous avez le droit, là. OK. Ben, oui. Je vais vous expliquer c'est quoi les ruines, là. Right? Il y a le district de l'université, vous êtes déjà allé. C'est là que Célène et Valriac sont allés recruter tout le monde. Ça, tout le monde se souvient. Il y a l'université, il y a le bar où est-ce que le monde s'habille sexy. Bon. Le bord universitaire, okay. Là, le Witch Cauldron. En dessous de ça, il y a les ruines de la ville elfe sur laquelle l'université a été construite. Right. Vous pouvez rentrer là. Il y a des signes qui disent que c'est dangereux avant de rentrer, mais ça empêche personne de rentrer. C'est juste que c'est marqué. Je pense que la question qu'on se pose toutes, c'est si on va là et qu'on successfully tue des trucs, est-ce qu'il y a des rewards assez intéressantes pour notre groupe qui pourraient nous permettre de vendre des choses ou est-ce qu'on va aller là pour rien? Il y avait de quoi par rapport à l'épée de Carlos? Ben, il y a l'épée de Karl Axel et il y a des reliques et des trucs comme ça que, oui, peuvent être vendus. Le problème de ça, c'est que souvent, c'est des affaires qu'il faut que tu vendes à la bonne personne. Je sais pas si tu comprends. On va trouver les bonnes personnes. On a Savala qui est capable de faire ça. Là. Son nom, c'est Xiala. Ouais, Xiala. La prochaine fois, je vous descends d'expert. Vous l'avez dit. Xiala. Tiens, je me suis noté pour plus jamais l'oublier. Ouais, Xiala. Oui. Le groupe, c'est One Team. Je tiens qu'on. T'écris tous les groupes. Mais ça s'appelle Xiala. Je me suis noté. Ouais, mais si tu regardais le. Parce que là, on est un peu à recherche de quêtes, puis on s'en va là-bas parce qu'on se dit que c'est ça qu'on doit faire, mais... Non, mais... Moi, cette c'est semaine... Un tableau comme dans WoW, genre. Je vous ai écrit à propos de ça, puis ils m'avaient tout dit, « Ah, oh, oui. Ben non, on va rien faire, puis on va faire ce que... » Oui, oui, comme des tarlouses. Mm-hmm. Non, moi, j'ai pré-écrit qu'est-ce qu'on allait faire. Mais moi, dans ma tête, il y a un plan, que l'on déjà. Moi, je l'ai fait de Carlos. C'est Valriac s'il veut l'épée. Moi, ah ouais, on va chercher l'épée. Moi, je suis down avec l'épée, là. Moi, j'ai focus sur le nom. J'étais un cave. C'était ça le plus important. Ben oui. Nous autres, ce qu'on veut faire, Mario, c'est incroyable, le mercenaire. Ouais, j'ai vu. J'ai remarqué. Donc, c'est parce que là, vous avez deux affaires. Là, je vais vous ramémorer le début de la game parce que ça a l'air qu'à soir, vous en avez besoin. Vous avez envoyé Xiala chercher des affaires. Elle vous a dit « Je reviens dans 8 heures ». Fait que ça fait vraiment pas 8 heures que vous êtes parti. L'histoire des choses, ça a pris 10 minutes, même pas. Shirley et Sona, vous êtes venus ici, ça en a pris 15. Fait que ça fait à peu près 1 heure et demie que vous êtes parti. Il était, mettons, 11 heures le matin. Il est rendu midi et demi. OK? Yeah. Fait que vous avez le temps. Moi, pis ça fait longtemps là, qu'on n'a pas fait une petite sortie en gang, qu'on n'a pas pris la chance de tout chier dans la pelle. Je pense que c'est un bon moment pour tester nos nouvelles capacités. Mais ça, on le fait pas là, on le fera jamais. OK. Fait que vous allez là. On s'en va à l'université, puis vous descendez en dessous dans la ruine des elfes. Ça a tellement pas l'air de tenter, Mario. Là. Ça me dérange pas. Certain que je suis prêt. C'est pas moi que ça y tentera pas, c'est vous autres. On est tous reposés, frais et dispo, là. Ouais, on est nommé la nuit d'avant. Okay. Scaragorn, il a compris ce que le roi des chats il a dit au début, lui. Ça sent la mort, ben là, attends un petit peu, là. Ben, trop tard. C'est ça qu'il a dit. Là, j'ai dit que c'était pas une bonne idée d'y aller, mais bon. Mais tu sais que c'est pas une bonne idée. Ben, Shirley est pas contente, ben c'est pas grave. Le roi des chats a spécifiquement dit que c'était pas une bonne idée. Il a dit que c'était pas. Que Carlos allait nous empêcher d'y aller. Ouais, là, qu'il avait mis en place. Mettre, les... Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas là. J'écoutais pas. Ben, moi non plus, j'étais pas là. Ben, c'est ça, on était pas là. C'est bien ça, là. Vous étiez pas là, c'est vrai. C'est moi, là. Fait que je suis prêt. Je suis pas dans les faits pour dire que c'est pas une bonne idée. C'est en crise de l'opinion d'un chat, dans le fond, là, depuis que je sais pas. Tiens, il y a un chat, qu'est-ce qu'il connaît à la vie, un moi, chat? Moi, il est trop tard, je t'apprêt tout loader. Je t'apprêt tout loader? Ouais. Ben oui, là... Mais on peut marcher dans l'autre sens. J'ai même loadé Erat, ça.
Fait que... Qui se ferme derrière nous. C'est ça, il a même loadé la porte, puis après ça, il l'a effacé. Comment les gars, on se créerait dans les Sims, oh non! Qui c'est qui m'a mis d'une piscine puis qui a enlevé l'échelle? Ce que le roi des chats a dit, c'est que Karl Axel était pour essayer de vous empêcher par tous les moyens. Ok. De trouver, avait, okay, ben, écoute, de trouver ça, l'épée. Je vais tirer mes cartes, puis ma question, ça va être... Ouais. Attends un petit peu, là. Faut faire mon tirage de cartes, Mario, mes trois cartes, on l'a pas oui, fait. Oui, ça, on va le faire avant puis, que le combat commence. Puis, je vais demander... Je peux-tu te faire guidance là-dessus, moi? Non. Mais elle peut se le faire elle-même. Oui, tu peux t'auto-guidance. Mais attends un petit peu, là, j'ai pas de questions en particulier. Là, je veux juste... C'est toi qui me parles de cartes! Après ça, tu as pas de questions. Tirez les cartes, mais je sais pas quelle question pour vous. Le prochain combat. On est tous en train de se demander, genre, bon, ok, à quel point on est fuck de faire ça, pis qu'il faut pas qu'on aille là finalement. Comme, bon, qu'est-ce que je pose comme question? Non, mais ma question, c'est parce que je veux pas demander n'importe quoi, dans le sens, je veux savoir, ben oui, si c'est une bonne idée d'y aller ou pas, là. Est-ce que j'ai plus de chances de mourir que de pas mourir sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi les chances que je meure? Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de variables, je vais te répondre tout de suite, il y a beaucoup de variables à ce que tu te poses comme question. Oui. Ça dépend des dés, ça dépend des lits, ça dépend des joueurs. Ouais, c'est ça. Ça dépend, t'as-tu envie de faire du combat corps à corps aujourd'hui? Non, c'est pas trop pour ça. Tant que tu te frenches un vampire encore? Non plus, tu sais, au cas où vous étiez pas là à l'autre game de Dragonlance, mais je suis morte encore, fait que là j'essaie d'éviter la mort, là, tu sais, c'est comme, c'est rendu comme une habitude chez moi. C'est vrai, je pensais que c'était une blague à la fin. Non! Je suis décédée. Je suis décédée encore. Puis ils peuvent pas te raise, là. La mort. Non. Non, ils ont pas les fonds pour la... Puis oublie pas, les dieux existent à peine encore dans Dragon. J'ai fait, de toute façon, un fait de mon autre personnage. J'ai déjà fait de mon deuil. Mais la question, ça va être... Mais Karl Axel, dans le fond, là, tu sais, moi, j'y veux pas de mal à Karl Axel, là. Je veux juste trouver les pieds pour White. Non, mais lui, il veut du mal, d'accord. Pourquoi? Carlos, c'est mon chum, hein. Broski, je vais lui demander, est-ce que je ferais mieux de rester chez moi? Est-ce qu'on ferait mieux de trouver un autre moyen de faire de l'argent que d'aller dans les ruines? Voilà, c'est ça que je fais, Mario, c'est ça que je te demande. T'es mieux de rouler en esti. C'est très vague comme question. Ah, c'est quand même compliqué. C'est très très vague comme question. Roule un D4 en dessus. Plus 4. C'est plus un D4. Popo. J'ai fait 4 quand même, 23. C'est excellent, ça. T'aimeras pas la réponse, super. Ton ennemi a mis en place des défenses pour vous empêcher de passer. Le défi de taille, mais pas insurmontable. En plus, T'as un bonus parce que t'as bien roulé. L'un de ceux que ton nouveau maître regarde vacille entre ton ennemi et le roi des chats. Mais c'est une belle occasion de faire chier Carlos, ça, en plus. Mais je partage l'information avec mes copains. Puis l'un de ceux que vacille en... Ah ah! Bienvenue à la lecture de cartes. Ouais. C'était quoi? L'un que ceux qui vacillent, blablabla. Dans le fond, quelqu'un que le roi des chats a son œil dessus, Karl Axel essaye de le corrompre. Carlos aussi. Ok. Ok, si on veut être clair. Ouais. Fait que c'est un pirate? Hein? Non. De quoi? Non, c'est juste qu'il y a quelqu'un que Carlos a envie que ça devienne comme sa nouvelle Sélène. Puis le roi des chats aussi a envie que ça devienne sa nouvelle Sélène. Puis là, il sait pas lequel choisir. Fait que genre, il est mêlé entre les deux. Mais vu qu'on sait pas c'est qui, ça nous aide pas bien gros. Veuillez aller écouter la confrérie
du trèfle rouge. Oh shit. Pour savoir de quoi on parle. Ouais, ça fait beaucoup de games à écouter. Ouais. Je parle à l'autre histoire, je te parle pas à toi. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme des footnotes de comic book. Quand tu fais une allusion, tu comme, va lire tel comic. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui les écoutent toutes. Fait que j'aime mieux le souligner pour les gens qui les écoutent toutes. Comme ça, ils peuvent voir où il y a un lien. C'est juste pour ça. Mais non, c'est pas obligé. Là. Je comprends. Parce qu'il y en a en ce moment avec des games de Dracos. Bon, où est-ce qu'on en est? 42. On dit c'est vraiment tough les écouter. Mais, on dit ça en avant de Mario qui, lui, les DM. Ouais, c'est ouais, c'est correct. Non, moi, je trouve ça tough, toutes les écouter. Essaye de toutes les jouer, mon tabac. So. Yes! Pac, qu'est-ce que vous en pensez? Les scènes. Ouais, faites comme Brad. Brad, il les écoute toutes puis il joue en plus. Ouais. I know Brad, c'est un exemple pour nous tous. Ouais, c'est ça. Voilà. Brad est un exemplaire. Sauf qu'il faut pas faire du bruit. Pour revenir à la game, je dis rien pour l'instant. J'observe ce que mes collègues disent. Je les laisse parler en premier. Pas insurmontable. Si c'est Karl Axel qui a préparé de quoi, peut-être d'aller chercher de l'eau bénite, ça serait pas mauvais. Pour que vous vous en serviez pas? Écoute, à ce que je sache, je pense que c'est Shirley qui a genre mal lancé les deux fois, pis c'est tout. Oui. Là, tu vas pas mettre ça sa faute à Shirley, là? Non, mais il a raison, je l'ai mal lancé. Il est tombé. C'est la seule qui en avait tout le long. Je pouvais rien faire de plus. Quoi qu'il en soit, si on est en Discord comme ça en ce moment, pis qu'on n'est pas capable de parler convenablement sans hausser le ton, on est mieux de pas y aller. Oui, exactement. Moi, je suis complètement en compte d'y aller parce que j'en ai marre des plans de marde à la con. J'ai quasiment pas envie de vous suivre. Bon, on va aller rien faire dans le... Ben, trouver un autre moyen pour qu'on fasse de l'argent de bord, pis là, je m'assois à terre pis je boude. Ben, je sais pas. On essaye de trouver. Ça marche pas. Ben, au pire, va tirer des cartes au coin de la rue, je sais pas, moi, là. Je me lève, je m'en vais me mettre au coin de la rue puis je tire des cartes. Ah, mon Dieu. J'y vais. Mais la shop sert à ça. C'est oui, mais dans 8 heures, on va avoir des affaires. Pas de la pièce, peu importe on est où. Oui, demain, on va commencer à avoir... Demain, on va être capable d'avoir... Demain, on va avoir la shop qui va commencer à fonctionner. Fait qu'on va voir ça. Mais Bon, on va se coucher. C'est midi! Ben allez-y, moi je vais aller jaser avec des artisans à Valmoldir puis apprendre des techniques de forge. Attends, Valmoldir, tu sais que c'est dans une autre ville, right? Tu vas descendre. Ouais, ouais. Puis... OK. Ils vont venir dans deux semaines. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon, on fabrique que ça va pendant deux semaines. C'est ça. Mais je vais aller faire ça. Fuck y'all. OK. C'est vrai, hein? Non, c'est pas vrai. Ils s'en vont pas à Valmoldir. Inquiète-toi pas, il se rendra pas. Je sais plus ce qu'il se dit. Moi non plus. Je suis perdu, là. Fait qu'on recommence la discussion, y'a rien qui a été dit. Bon, on y va. On y va, pis tout le monde est on board. OK, cool. C'était ça. Moi, je vous suis plus, je sais pas ce que vous faites. Moi, non, écoute, on est clair, tous confus. Moi, je boude. Ouais, Célène est après boudée puis a essayé de tirer les cartes sur le coin de la rue. Ça, je l'ai compris. Là. Ça, c'est bon. Shirley a dit « Je suis tanné des plans de marde. » Ouais. Ouais. Right? « Je suis tanné des plans de marde. » Puis, ça serait bien qu'on s'en trouve des plans qui ne sont pas de la marde non plus. Mais ça, effectivement. Il faut en trouver des bons. C'est peut-être ça qu'on devrait faire pendant 8 heures. Trouver des bons plans. Oui. Ok, Mario, je cherche un bon plan. Ouais, mais sur quoi? Si je veux bien, mais si vous me dites pas ce que vous voulez faire, I don't know. On va aller dans. Il y a pas des petites annonces genre chat perdu pris dans un arbre, genre gouttière à réparer. Ça a jamais marché de même dans Dracossia, là. Ça fait un an que vous jouez là. Mm-hmm. Ça a jamais fonctionné de même. La seule façon que tu peux avoir une quest de même, c'est de retourner au saumon fumé qui est comme deux districts plus loin.
Ça, d'aller, c'est loin, ouais, c'est ça. Puis aller voir le Meltran, comme quand vous aviez commencé, puis demander s'il y a une quest. Puis ça, c'est de mettre les pieds chez Donovan. Puis je pense pas que Célène veut faire ça. C'est ça. J'ai pas l'intention de faire ça. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est la seule place où il y a un board pour les guildes comme ça. Sinon, soit ça vient à vous autres, ou soit vous y allez de l'avant. Parce que vous avez plusieurs trucs que vous pouvez faire. Si vous voulez trouver une autre aventure, ben il faudrait peut-être écouter des rumeurs. Fait que vous pourriez passer 8 heures à aller vous promener dans le Mercal en or ou des trucs de même. Mais ah, je m'assois sur un coin de rue, puis je vais écouter le monde. Ok, bon, Célène, tu vas faire ça. Fait que Célène, tu vas me faire 3 jets en réalité. Tu vas me faire un jet de persuasion, un jet d'insight, puis un jet de perception, s'il te plaît. Oh. Wow. T'as pas persuadé personne. Fait que t'as pas fait d'argent. Ok, Insight, c'est pas pire. Insight, puis perception, le dernier. Ok, à Star, tu vas me rouler 3d4. Parce que j'imagine que tu vas te caster Guidance comme tu l'as. Pour chacun des skill checks. Peux-tu utiliser un dé pour mon charisma? Oui, tu peux. C'est justement ce qu'Arté a dit. Tu peux refaire un persuasion check. Persuasion. Ok. Oh boy! C'est beaucoup mieux. Le tour fatigué. Allons-y. Yay! Bon. Célène, tu tires aux cartes pendant 8 heures. Tu te ramasses beaucoup de clients. Fait que tu réussis à commencer à parler du fait que... La Forge et l'Oracle, c'est ça, Forge et l'Oracle, va avoir un service justement d'oracle et de tirage de cartes. Fait que je vais l'attribuer, c'est comme si tu te tenais là et tu donnais des cartes de magasin, genre. Puis ça fonctionne, tu réussis à te ramasser 22 pièces d'or au courant de ta journée en 8 heures, ce qui est quand même très très bon. Nice. Ajoute ça, Hugo, 22. Bendo, non, je le mets dans mes poches, laisse faire, okay. Je le dis pas. Non, non, je le mets pas au pot commun, je le garde pour moi. Je vais acheter des affaires à ruelle, je vais revenir. 22 piastres au pot commun. J'ai acheté 22 piastres de trucs à ruelle. Il va avoir un autre palais de après, faut être écœuré. C'est pas vrai. Ok, c'est donc... Vrai, je sais pas quoi. Il y a ça, la deuxième chose avec le insight, parce que ton perception n'a pas été fameux. T'entends parler d'une rumeur d'un... Il y a quelque chose qui se passe sur les docks. Depuis que vous êtes parti, il y a un nouveau culte qui se forme sur les docks. Et la particularité du culte, c'est qu'il ramasse toutes les plus démunis, tu sais, les gens qui ont plus d'argent, les SDF, les trucs comme ça. Et il est mené par une machine qui guérit les gens. Qu'est-ce que t'as fait, Fabrique? Est-ce que le bateau des pirates est sur les docks? Il l'a déjà été. Mais il l'est plus. Ben, tu sais pas. Mais là que tu l'as laissé. Tu sais, quand vous êtes débarqué et il était tout décollissé, mm-hmm. C'était sur les docks. Oui. Ok. On va chercher Ruelle. Ok, super. Non, mais là, c'est... quand je reviens, je vais dire ça à mes copains. Là. Okay. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose pendant 8 heures? Ben, moi, je vais faire mon sonol. Je vais aller me promener dans les tavernes, aller chercher de l'information. Ok. Roule un insight et perception, s'il te plaît. Oh, wow. Ok. Perception, t'en as rien. Insight, t'entends parler qu'il y a eu. Il s'est passé quelque chose, encore une fois, sur les docks où il y a eu plein d'enfants qui ont été tués par des troubadours. Ok. Eh ben. Autre chose? Bye. Non, je parle aux autres parce que là, c'est pas mal ça que tu fais, tu t'entends. Ouais.
Je peux y aller, j'allais dire, bon, mais ben, comme on fait tous chacun des choses de notre côté pour ces 8 heures, je vais aller pousser mes réflexions, pas mes réflexions, mais ma recherche d'informations sur les têtes dirigeantes du Mercalanor, comment ça fonctionne, aller faire un peu de PR auprès des autres marchés ou magasins slash personnes influençables. Influente, pardon. Okay. Influençable aussi, je suis plus influencé. Mais... Ils sont influençables, c'est juste un plus. C'est ça. Mais ouais, non, je veux savoir la game politique du Mercalanor puis m'en rapprocher. Ok. Basically. Donc, roule-moi un insight et persuasion, s'il te plaît. Insight. Persuasion. Alright. Le nom, c'est la guilde des Mercalanistes. Ils sont 7 qui sont élus. Ils sont élus à chaque année. Mais ce que tu en entends parler, c'est que les élections sont. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas eu quelqu'un de nouveau d'élu depuis 9 ans. Fait qu'il y a beaucoup de magouilles en dessous de ça. C'est bizarrement les plus riches, donc ceux qui sont capables de se payer une campagne politique. T'entends même parler que il y aurait des réseaux de crimes organisés qui sont mêlés avec ça, des fois même ceux externes. Donc pas nécessairement Koa. Koa, c'est pas un nom que t'entends dans ces affaires-là. T'entends parler par contre des remords. T'entends parler d'une place que t'as entendu parler de loin, le port de l'ombre. Fait que des affaires de même. Tu voulais-tu pousser plus sur d'autres choses? Vas-y. Je voulais me renseigner davantage sur les 9. Les 9 ou les 7, là? Parce que là, Attends, mais ceux qui les représentent. Les 7 représentants, ça fait 9 ans qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Parce que les 9, c'est les vampires de la semaine prochaine. Ça. Ok, c'est. Les 9 vampires de. Non, c'est pas vrai. Sur les 7. Ils sont prêts, man. J'ai passé la journée là-dessus. Si tu veux, je peux tout te sortir. J'ai les photos, les backgrounds, tout est prêt. Ça va me mélanger. Parce qu'il y a d'autres choses, on va choisir. Okay. Mais non, mais qui va donner le killing blow à Damien? Commerce. Et les informations générales, là, mettons. Là. Alright. Attends une minute, je vais trouver un minute. Puis genre, j'en croise pas un par hasard, mettons. Non, ce que tu apprends, c'est que les 7, c'est des gros marchands, right? C'est des gens que, tu sais, ils se tiennent pas dans les tavernes, dans les places comme ça. Si tu veux les voir, ils sont toujours en office. Il y a un endroit qui s'appelle le... Hostie. Le... Je me souviens plus. J'avais un nom, là, puis là, je le trouve pas. En tout cas, c'est le centre de la ville. C'est le centre du district. C'est comme un espèce de palais. Puis, dans ce palais-là, c'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils ont leur bureau. C'est là que tu peux les rencontrer après que tu aies passé 152 000 secrétaires, 300 000 gardes, et etc. Là, c'est compliqué. Là. C'est comme essayer de rencontrer ton député. T'sais. C'est le même principe. C'est la maison qui rend fou, mais au Mercalanor. Ben, c'est ça, au Mercalanor. Donc, c'est ça. Donc, les 7 noms. Tu as Alex Winham, qui est un Wesselan, c'est immigré de troisième génération. Il y a une business qui deal avec de la tannerie. Fait que tout ce qui est cuir, des affaires comme okay. ça, ils font des vêtements puis des affaires de même. Donc, t'as lui, t'as Sergio Gregory, qui est un... un palefrenier, je pense que c'est le terme. Quelqu'un qui a comme... il a des ranchs externes, il vient du pays de Sorias. Donc, il a plein de ranchs, puis il vend du bétail ou des chevaux ou des trucs comme ça à l'intérieur. Il y a trois points de vente à l'intérieur du Mercalanor. Fait que c'est quasiment une franchise, son enfant. Ensuite, tu as Vistoria. Un nom.
C'est toutes des messieurs, d'ailleurs. Non, Vistoria, c'est une dame. C'est Dame Vistoria. Voilà. Elle est... les gens savent pas grand-chose sur elle. Même, tu vois un monsieur qui te montre une affiche de quand elle a été élue il y a 9 ans. C'est la dernière, c'est la nouvelle. Là. C'est celle qui a été élue il y a 9 ans, ça. Mm-hmm. Lady Vistoria. Puis, elle avait comme un masque de porcelaine. Fait que personne sait de quoi elle a l'air. OK. Mais elle a été élue quand même. Mm-hmm. Parfait. OK. Ensuite, tu as le nain, Barnack Steelhammer. Devine que lui, c'est un forgeron. Hein? Et c'est considéré comme le meilleur forgeron du Mercal en or. La rumeur veut que ça fait 100 ans qu'il est en poste. Ah, OK. Okay. Il est, lui, par exemple, ce que tu entends, c'est qu'il est considéré comme quelqu'un de bien, puis qu'il veut vraiment servir le peuple. Donc, il a toujours des idées, puis il te le quitte. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il se fait contrecarrer par les autres, parce que c'est une affaire de vote, right? Son set, fait qu'il vote. Pis... Ouais. Mais lui, c'est quelqu'un qui a le bien du Mercal en or. Le nom. C'est un forgeron, en plus. Monsieur. Barnack Steelhammer. Barnack. Monsieur Barnack. Ouais, mais dites pas tant en avant, ça va bien? Oui. Thor Barnack. Thor Barnack, si tu veux. Pas, le pas Barnack. Le. Le Barnack. Ok, tu as Lady Aleria. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Windleaf. Qui est une demi-elfe. Windleaf? Wind. Windleaf, okay. Qui Aleria Windleaf, qui justement vend du parfum. Oh, elle a une parfumerie au Mercal en or. Ça fait 12 ans qu'elle a été élue. Elle est toujours élue. C'est une elfe? C'est une demi-elfe. Demi-elfe, ok. Half-elf. Ensuite... Ça fait 5-6, là? Ça fait 5, cher. 2, 3, 4, 5. Yes. Victoria, c'était la face de porcelaine. C'est il Vistoria, pas, de... pas Vic. Ouais. Vistoria. Oui, Vistoria. Ouais. C'est la face de porcelaine, puis il n'y avait pas de commerce par rapport à elle. On sait juste rien. Là. Non, t'as tout compris. C'est ça. C'était voulu. Je n'ai pas oublié le léger détail. Ensuite... Ah oui, t'as mon entrepreneur. Tu as... Allegro. Et quoi, Monsieur Allegro? Hein? Monsieur Allegro, c'est un entrepreneur. Il construit des affaires. Donc, c'est un entrepreneur du Mercal en or. Il est responsable. Tu sais, il n'y a pas de boutique ou quoi que ce soit, mais si tu as besoin de te faire construire un building, c'est lui que les gens vont voir. Mmh. C'est Monsieur Allegro. Ok. Et évidemment. Lui, il parle fort. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Et tu as, watch out, là, ceux qui prennent les notes, là. Huck Tabage. Huck Tabage. Huck, UK, trait ouais. D'union, T majuscule A-M-A-J. Ok. Oui. Stone Speaker. Ok. Dans The Great. Langue. Tabarnak. C'est un Goliath. Oh non. Ou un demi-géant. Et il run une compagnie de sécurité au Mercal en or. Oh! Hey. Bodyguard. Voyons donc. Ben, comme une guilde de protection. Là. Bodyguard, sécurité privée, ça fait la même. The Great. Esti. Est-ce que dans mes recherches, il y en a un qui stand out plus que d'autres, un qui est plus influent, ou sont tous... Influents, sont tous puissants, enfin, je comprends pas ta question. Dans le sens qu'il y en a un qui a plus de pouvoir décisionnel, mais non officiel, mettons. Ouf, roule-moi donc un persuasion, s'il te plaît. Leur persuader de me dire des infos. Ouais, c'est parce que. C'est... Tu veux-tu prendre un dé? Pour ça, ouais, pour le fun. Tu
ça valait la peine. Ah, quand même. Ouais. Les rumeurs veulent que Lady Vistoria a du dirt sur tout le monde. Oh, et que c'est elle le power behind the throne. Right? La blackmaileuse. Yep. J'aime ça. Belle méthode, Madame Vistoria. Ok. Ça me prend sûrement 8 heures à avoir toutes ces informations. Ouais, oui, puis tu sais, si tu veux d'autres informations, tu sais que pour te présenter, il y a un coût de 300 gold pour t'inscrire. La campagne. Pour la... Non, ça c'est juste pour t'inscrire. Right, au ballot. T'inscrire à quoi? Au, ben, comme pour être représentant. Pour être représentant du district. Puis après ça, faut que tu payes ta campagne. Là, c'est à toi de gérer ta campagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est des informations que tu vas nous partager? Je sais pas, êtes-vous intéressé? Absolument. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Ben, moi, en tout cas, pas besoin. Là, j'ai noté tout ça déjà. Fabrique, tu t'écris, je sais. Mais ouais, là, autour d'un verre le soir, en se racontant nos journées avec plein de gaieté et de simplicité. Mmh. Ah ouais, oui, en plein milieu. Puis votre journée. Ah ouais, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Ok, j'ai trouvé ça. Ce qu'on faisait, là. Okay. Oui, un enfant était mort. Ouais, des enfants qui sont morts. Ah ouais, cool. Bonne chose. Là, il reste Shirley puis Fabric qui m'ont pas. Ouais, Fabric, lui, il va. Il va avoir. Voyons, il va peut-être promener un peu partout à. Proposer ses services d'essentiellement d'automate à tout faire, puis en posant des questions sur les. On va dire. Essayer ça aussi, là, de poser des questions sur qui est bon à faire quoi par ici, puis tout ça aussi. Savoir. Ok, ben fais-moi un. Intelligence-based crafting, là, fait que soit Smith ou un enfant de même, comme tu veux. Puis après ça, fais-moi un persuasion, mais je pense que tu vas avoir les mêmes infos qu'urgent, vraiment. Ça va être. Ok, ouais, je... avec proficiency, ability check, I guess. Ouais. Ça. Je vais ajouter le D4 de bless. Tu veux prendre un dé? On va prendre un dé. Ok. Pour faire ça. Tiens. Ah, tu me fucking niais! Ben, c'est ça de plus. Oui, mais c'est le. Ah non, ok, c'est beau. Je voyais encore un 6, puis je suis comme. Non. Hey, voyons. Non, c'est un 9 cette fois-ci. Fait que tu te ramasses 12 pièces d'or dans ta journée. Puis tu entends sensiblement les mêmes informations que je vais donner à Urgent. Au niveau de qui dirige et tu le quittes. T'entends parler justement de. Barnac, comme quoi que c'est un forgeron de très grande réputation, mais que même lui a de la misère à s'approvisionner en métal dans le Mercalanor. Huh. Ok. Depuis que l'Abescus a tâté la vis, puis en plus, depuis la... pas de destruction, j'emploierai pas ce mot-là, mais depuis la brèche de la voûte, l'Abescus est comme sur le pied de guerre. Elle l'était déjà, puis c'est encore peu. Fait qu'ils ont comme... Ils prennent le fer de partout, ce qui veut dire que c'est extrêmement difficile de l'acquérir. T'entends parler d'une rumeur qu'il y aurait un nain qui est parti en expédition sous terre pour trouver une autre source de métal, mais pas plus. Ok. Sous terre, genre, il a juste fait là, puis il a creusé ou ben il comme. Non, ben c'est parce que, dans le fond, les nains avec qui tu travailles t'expliquent, c'est que Valmoldir, c'est une ville naine sous terre, right? Ils ont une carrière puis une mine. Mais il y avait d'autres mines ou outposts nains un peu partout qui ont été perdus ou détruits ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Valmoldir ont. Fait qu'il y a un nain de là. Ok.
Puis non, c'est pas un nain qui manque un bras. Ok. Cool, cool. Shirley? Je vais profiter du fait d'être au restaurant avec plusieurs partisans pour essayer de leur soutirer des informations en proposant mon aide, mes bras, pour travailler dans le restaurant, genre laver de la vaisselle ou aider à comme défaire des boîtes de d'oignons. Je le sais pas. Ok. Les informations sur la vaisselle, t'as du poil partout. Ben, juste des rumeurs, des partisans, une affaire de main. Ok, roule-moi un persuasion et perception. Ok. Ok, est-ce que tu veux prendre un dé sur un des deux? Ouais, sur perception. Ok, roulez. Qui revient aux mains. C'est génial. Un dernier. Un dernier, fait qu'on enlève deux à Shirley. T'as roulé un zéro! Ok. Donc, ce que tu entends, c'est les. Tu les aides toute la journée, dans le fond, en travaillant en arrière. Ils te font laver des. Ils t'envoient dans la cave avec d'autres où tu joues au dé. Tu bois de la bière, ben toi c'est des sex on the plains. Puis tu nettoies des pains. Il y a des espèces de pains ronds avant des fers. Ils te font mettre dans l'eau puis les nettoyer. Puis après ça, ils les mettent au four. Puis tu réalises que ça ressemble étrangement aux pains qui servent au saumon fumé que tu as vu quand vous alliez manger. Là, le fameux Alan McKenzie. Puis le kit, ça a l'air finalement, c'est des pains hamburgers. Là. Ils sont après te faire nettoyer. Puis ils partent là. Puis... Il y en a un qui s'échappe un moment donné, tout bonnement, dans la journée. Il dit, en tout cas, c'est le fun de voir un plan de si longue haleine qui commence à prendre shape. On a fait voler des joyaux à un groupe de tarlouses il y a quelque temps. Ils ont essayé de nous voler, mais on les a tous pognés, fait qu'on a repris les joyaux. C'est, on va pouvoir se servir de ces joyaux-là pour enfin envoyer un message que le peuple prendra plus ça. Puis vous nous aidez avec ça, parce que vous éliminez comme les gens qui pourraient nous empêcher de le faire. On va redessiner la face de Dracosia. Je prends l'information. C'est bon! Pis après qu'il dit ça, tu vois l'autre qui le regarde à côté pis qui t'y crisse une claque en arrière de la tête parce qu'il en a clairement trop dit. C'est vraiment cool. Shirley qui est comme... Ouais. Ouais, ouais. Je lave du pain. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Le gars, c'est la dernière fois qu'il va laver du pain. Et c'est pas mal ça que t'entends. Le soir même, j'imagine que vous allez vous retrouver pour jaser de... Bah, dormir aussi. Moi, les nains avec qui j'ai travaillé, c'est devenu mes meilleurs amis. Ok, c'est bon. Je vais faire un nouveau bonhomme. Bon, ça y est! Ça va être Fabrique Gardien maintenant. Non? Bon. Donc, vous revenez tous le soir, 8h de plus tard. Après que vous soyez arrivé, quelques instants après que vous soyez arrivé, Xiala refait son entrée. Bon ben, c'est fait. Demain, on devrait avoir un magasin plein. J'ai même réussi à mettre la main sur certains quartz et pierres précieuses. Ben, précieuses, on s'entend, c'est un grand mot. Tu devrais pouvoir commencer à travailler sur des trucs, mon cher Fabrique. Et on va avoir, j'ai mis la main sur environ 12 lingots de métal. Qui va permettre de faire. Mais je t'avertis, là, ça vient même pas de Valmoldir. Ça vient de. Ça a été shippé par la mer. Fait que je suis pas sûr de la qualité, mais bon, ça devrait. Ça devrait nous starter. Ça va être assez pour que je puisse tester une technique que j'ai entendue. Puis elle te redonne 58 pièces d'or. Alright. Yes.
Ça n'a même pas coûté 200. C'est pour ça que vous m'avez engagé, je pense. Absolument. Pourquoi il laisse un type de quelques pièces d'or? Est-ce qu'on peut lui ordonner, genre, ben oui, là, s'il vous plaît. Ben oui. Ça brique, là! Mettons 18, là. Reprends 40, puis laisse 18, là. C'est bon, 18 pièces d'or? C'est beaucoup? C'est ouais, assez. Sauf que si j'en reprends 18, ça fait pas un chiffron dans le pot. Fait que t'as peu. Non, mais c'est super fin, les amis, mais vous me payez déjà comme la chambre, puis je mange ici, puis vous me donnez une part des profits du magasin. Vous êtes pas obligé de me payer en plus, là, c'est correct, là. Ah, ouais. T'as raison. Il donne une part. J'aime bien. Ouais, on fait une place. Eh mon dieu. Oui, je vous l'ai expliqué. Oui. Non, ben, je sais que tu l'as expliqué. C'est moi, là, genre, okay. C'est... Non, t'inquiète. C'est bon. je sais que c'est moi. Sinon, okay. Vous, est-ce que ça a été fructueux? Des trucs à partager? La sort de son dos, elle a comme deux bouteilles de vin. Tabarnage, c'est cool. En bois depuis 11h à matin. Ouais. Ouais, moi je travaille pour vous autres. Je bois pas ça à job, tu sais. Mais non, mais tu fais bien. Mais. Fait que Céline va aller barrer la porte du magasin. Ouais. Puis elle va amener. T'es pas supposé avoir besoin de le faire. Je suis supposé avoir automatisé ça. Derrière, dans la petite salle. Puis elle va amener des coupes. Puis. Je les suis, le Volriax. Donne-le aussi. Ben oui, on va tout de suite. Oui, c'est ça. Fabrique, il rentre, les gars. Il me semble que Céline avait dit qu'elle avait arrêté de boire une semaine. Là. Ça, c'est quand elle était plus Warlock. C'est ah ça. Oui, non, mais là, je suis. Ouais, c'est ça. Ses articles de personnalité sont venus. Moi, j'ai tout compris, là. Eldritch Blast, ça vient qu'une coupe de vin, c'est ça que ça fait. Pour ceux qui se souvenaient pas, c'est vrai, hein, ceux qui ont pas vu la dernière game, on vous parle de Xiala depuis tantôt, qu'on vous la montre pas. Xiala! Hey, Xiala! C'est elle. Y'a pas juste le vin qui donne chaud. Mais le vin, c'est pas supposé donner chaud. Dis la machine. Ben, j'ai peut-être mal bu ça toute ma vie. Là, moi, j'ai hâte de voir comment vous allez raboter tout ce que je viens de vous dire. Ça va être génial. Ça, c'est mon but préféré des games. Bon. J'ai appris tous les noms par cœur. Céline s'installe, elle sert du vin à tout le monde. Elle remercie Xiala pour son beau travail. Puis, elle raconte que ben c'est ça, qu'elle a tiré des cartes toute la journée, qu'elle a vraiment passé une belle journée, que c'était super le fun, puis qu'elle a vraiment hâte de pouvoir commencer à tirer des cartes au magasin. Puis, by the way, j'ai entendu parler d'un nouveau culte qui s'est installé sur les docks depuis la dernière fois. Puis apparemment que ce culte-là, ben il ramasse les plus démunis, qui s'emparent des plus faibles pour on sait pas faire quoi. Puis ça serait mené par une machine qui guérit les gens, là. Une machine qui guérit les machine. Gens. Oui, une machine qui une guérit. Une machine un peu comme ça. Qui guérit les gens. Mais c'est... Je sais pas, c'est la seule information que j'ai, là. Ah, oh, t'as déjà pas mal plus d'informations que moi. Oui, mais ça reste étrange. Ah, parce oui, que... tu parles du culte de la dernière marée. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, il est comme. Ben, pas comme Fabrique, parce que je l'ai vu de loin. Okay. Il est plus rouillé que Fabrique. Mais oui, c'est un comme lui. Là. Il l'appelle Custodian. Oh. La dernière marée. Me semble, ça fait Omenus. Ouais, c'est peut-être moi qui se trompe. C'est... Donne-moi 30 secondes. On va aller checker. ça fait 305. 355. Ah, oui, c'est correct. De la dernière vague, excuse-moi. J'ai confondu. Dernière vague. La dernière vague. Je pense que c'est pire. Ouais, c'est pire, je pense. Mais ouais. C'est, ça s'appelle le culte de la dernière vague. Le culte de la dernière vague, qui est dirigé par... Une machine.
Un Warrior Forge, oui. Ouais, un forgelier comme moi. Qui. Nice. Qui s'appelle. Custodian. Custodian. Et qui aurait des pouvoirs divins. J'aime ça quand je donne des plot points à Fabric et il fait. Mais c'est cool. Il y a des pouvoirs divins. Les dieux. Télène, nous as-tu parlé de la grosse vague noire? Je m'en rappelle plus. Oui. J'en ai parlé à Volriax. Ouais. Il me semble que j'en ai pas parlé à non. tout le monde. Il y a juste Volriax qui dit ça. C'est vrai. Donc, je réagis aucunement à la vague. Oh. Ouais, c'est ça. Il y a personne d'autre qui réagit à la mention de la dernière vague. Même si, genre, la mention du culte de la dernière vague pourrait faire allusion à, je sais pas, une vague noire qui une grosse marée. Je dis ça de même pendant que je continue à prendre des notes. Oui, non, mais j'étais en train de prendre mes... Je me demandais qu'est-ce que je faisais par rapport à ça, en effet. Mais je vais juste sortir mes cartes, puis je vais demander à mes cartes si ça a rapport. OK. Roule ben... Sans rien dire à personne. Okay, oh, oui, devant tout le monde, c'est là, c'est clouless. Ben, elle s'en fout, dans le fond. Elle boit du vin en même temps. Mais oui, je vais prendre mes cartes. OK. Drop les cartes, mais ça droppe sa table. C'est commun, là. Non, mais c'est pas la première fois que. C'est pas la première fois que je sors mes cartes out of nowhere. Je veux juste vous préciser que Célène a déjà sorti ses cartes dans un fucking donjon pour savoir si elle allait à gauche ou droite, là. Je veux dire, on s'entend. Est-ce que tu gardes le 15? Est-ce que tu gardes 15? Fait que c'est ça. C'est juste Ziala qui serait comme genre, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je vais garder 15. Ok. C'était quoi la question, excuse-moi? Je veux savoir si la marée noire, la grosse vague noire, a rapport avec ça. La réponse est oui, mais pas comme tu penses. Merci, Mario. Je peux pas être plus clair que ça. C'est correct. Voilà. Vous avez des questions à soir? Oui, mais pas comme tu penses. Oui, mais tu sais-tu si je pense en bien? Mais je sais comment qu'elle pense qu'il y a un lien direct, que comme quoi qu'il serait un méchant. Donc oui, mais pas comme tu penses. Genre que c'est lui qui est en train de le caster ou whatever, là, mais genre ça oui, mais pas comme je pense. C'est ok, ça. Merci Mario. Ouais. Ensuite, oui, c'est pas lui le méchant. Hein. D'aller le voir ou c'est comme. Donc, Xiala. Oui. Toi, t'as-tu des connaissances sur le système de Mercalanor, les têtes dirigeantes? Est-ce que t'as un contact peut-être? Ou, Non, pas parce vraiment. Que comme je l'ai fait aujourd'hui. Je travaillais beaucoup. Dans les districts plus huppés, puis dans le district universitaire. Donc, j'ai pas vraiment de contact avec les dirigeants du Mercalanor. De toute façon, de ce que j'ai compris, ils se cachent dans leur bureau, puis ils font rien. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ouais. Ben, je crois que... De ce que j'ai pu entendre de mon côté, il y aurait une personne affluente au niveau de la forge qui serait exceptionnelle, un certain Barnac qui... Si c'est un nain qui fait des armes, il n'y a rien d'exceptionnel là. Mais qui est en cause depuis une centaine d'années, selon les rumeurs. Ouais, et qui n'a rien fait pendant 100 ans. Donc, le terme exceptionnel, peut-être, mot. Son exceptionnalité. Je vais remplir son verre de vin parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. son exceptionnalité, à mes yeux, est plutôt sa maîtrise de la forge et ce qui l'a attiré. Mon cher Fabric, je t'aime beaucoup, mais malheureusement, un politicien, on le mesure pas à son habileté à forger un marteau. Non, effectivement. Mais même lui semble être incapable de se trouver du métal de qualité. Écoute.
Je voulais pas, parce que je veux pas que tu t'énerves. Alors, je veux pas que tu t'énerves. Non. Mais j'ai entendu parler de ma quelque chose. Ma chaîne, y a pas d'émotion. J'ai entendu parler de quelque chose. Je connais peut-être un magicien artificier qui aurait peut-être mis la main, peut-être, sur un filon d'acier de nain qui a pas été pris par l'Abiscus. Ils viennent d'envoyer des gens puis ils vont en avoir à vendre. Est-ce que ce serait une des personnes qui serait récemment partie chercher? Idée, j'en sais rien. J'en sais pas plus. Okay. Tout ce que je peux dire, c'est que je lui ai dit qu'on serait intéressé. Oh, c'est bien. C'est bien, ça. Mais je veux pas que tu t'emballes, y a rien de sûr. Non, c'est parfait. De toute façon, je vais travailler sur une technique de renforçage de métal folding de métal sur lui-même a commencé à me faire penser à des techniques de forge un peu plus différentes, puis je vais tenter de... Puis je commence à comme... Bon, me parler à moi-même. Cette discussion-là m'ennuie, mais je pense que l'objectif de la journée, c'était quand même d'essayer de trouver un moyen pas de marde pour faire de l'argent. Donc, je voulais savoir si quelqu'un ici avait trouvé quelque chose d'intéressant à ce sujet-là, ou si on avait perdu 8 heures pour rien, 8 heures qu'on aurait pu utiliser pour aller, je sais pas moi, dans des ruines, sous une ville, pour trouver, peut-être comme des choses à vendre, ou en tout cas faire avancer notre, quête d'argent, sinon... Moi, j'ai justement, que... tu serais pas allé tirer des cartes, toi? T'as pas ramassé de l'argent? Ça continue à brasser, ça. Pas le plus! Celle-là n'arrête pas de brasser. Tout ce que j'ai appris dans les docs, il paraît qu'il y aurait eu un infanticide. Plusieurs enfants auraient été tués. Mais j'ai pas beaucoup plus de détails. Moi, je sais que les partisans ont réussi à mettre la main sur des bijoux, puis c'est grâce à ça qu'ils vont prendre le contrôle de Dracos. What the fuck? Puis, j'ai appris aussi à faire du pain, mais bon. Genre, Fabric est en train de faire genre... Là, à force de... Je pense que rendu à 1000 plis, ça pourrait... Hein? Écoutez, je sais pas, là. Je voulais juste avoir des infos des partisans, fait que... J'ai fait du pain avec eux. Et t'as appris que un vol de bijoux... un vol de bijoux, et grâce à nous, ils vont refaire la face politique de Dracosia. Hors RP, là, j'ai pas tout compris. C'était voulu. Dans le fond, hors RP, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient réussi à mettre la main sur des gems, donc des pierres précieuses, pas des bijoux, d'origine de l'Empire des Glarès, donc quelque chose qui vient de l'ancien Empire Elfique. Puis qu'avec ça, puis le fait que vous éliminiez des gens qui se tiennent dans leur... Ils seraient capables de redessiner la face de Dracosia. C'est très vague. Tirant les conclusions que vous voulez. Ouais. Qu'on joue dans plus gros qu'on pensait. Oh oui, c'est ça. On est en train de s'en faire passer une, mais tu sais, c'est pas comme si c'est pas ce qu'on savait. C'est pas comme si on savait pas déjà qu'on se faisait manipuler anyway, puis qu'on a fait « Ah, ça n'a rien que le choix ». C'est pas comme si ça serait pas la première fois, là. C'est ça. Effectivement. Je fait que dans le fond, c'est pas bizarre, c'est qu'on l'était ce matin, il y a 8 heures, quand on a décidé qu'on ferait pas de plan de marde. Je trouve mais oui, mais je sais pas du pain maintenant. Mais non, mais je suis pas pessimiste, là. Si on travaille avec un groupe qui a un ulterior motive, I mean... Situation, il y a moyen de le retourner en notre faveur. Ben, bien sûr. C'est pas comme si aucune personne avec qui on a fait affaire a ever eu une motivation ultérieure, là. Ouais, t'as pas répondu à la question, Céline. As-tu fait de l'argent aujourd'hui?
Célène, je veux une réponse. Ça concerne l'argent que je fais. Mais on s'en fout de l'argent, Célène. Et ouais, ça sert à rien. Célène ou l'argent? Mais non, mais Célène, t'as besoin de quelque chose pour aujourd'hui? C'est pas la réponse, là, d'abord. Elle a pas répondu. Je vais vous garrocher 5 pièces d'or d'en face, puis je m'en vais. Mais j'en veux pas de ton or, je veux savoir si t'as servi à quelque chose, toi, aujourd'hui. Ben, c'est la gang, on est tellement... Ok, là, moi, je mets la main sur la table, là, ça suffit, là. Mais là, c'est elle qui a brûlé, pas moi. C'est ton problème. Suffit! On arrête. Là, là, il y a juste la Discord depuis un matin. Ça marche pas, on est plus alignés, la gang, là. Fini, là, ok? Là, on va aller se coucher. Il est tard, on a bu. On a déjà été alignés, là, surtout dans les dernières games, là, ok? Là, les dernières semaines. Là, on va retrouver ça. Ça a pris deux games. Là, on va se coucher. Un événement Warlock. On s'en parle demain. Revenu, je pense. C'était qui avait noté deux games dans le pool? Moi. Moi, je suis genre à bout, là. Valeria, que ça va se coucher. Okay. Ah ouais. Je vais me promener. Je ramasse mon argent. Je vais genre faire une petite marche chantée. Ok. Pas juste, c'était mon idée. Ben, vous pouvez partir chacun de votre bord, là. Oublie ça, one team, ils sont même pas capables d'être une team, imagine-toi, être une team parmi 6 autres, oublie ça, là, ça marche pas, là. Non. Mort dans le jardin. Il va falloir leur tuer, Solène, là. C'est pas parce qu'on est pas d'accord sur ce qu'on va faire qu'on est pas une team. Mm-hmm, mm-hmm. On est une team avec un petit peu de chaos. Moi, je tiens à mentionner que ça a commencé... Tu vas essayer de flirter avec Ziala. Oh! Fabrique, okay. Il veut juste rester là, complètement inerte. Je suis pas mal saoul aussi, là. Moi, je tiens à préciser que ça a commencé à revoler quand Senna a recommencé à boire. Corrélation? C'est pas faux. Non, ça a commencé la minute que le roi des chats est arrivé en passant. Ouais, c'est ça. Il y a eu des chats, ça a poigné dans... Non, ça. Les chats, ça marche pas dans le game. Non. J'ai retrouvé un petit peu de vigueur, laissez-moi tranquille. On peut-tu faire de l'argent demain matin? Non, mais là, attends, là t'as parti quelque chose. Il y a des rôles à faire. Là. Ouais. Oh non! Tu veux flirter? Je te demanderai pas de roleplayer, mais moi, faut jouer, parce que Xiala aussi a le but. Okay. Fait qu'il faut jouer où ça mène, parce que ça va peut-être finir on fade to black jusqu'au lendemain matin. Là. Ah, t'as pas. Ok. Parce que moi, tant que j'ai mes Legos, je suis content. Correct. Shirley, elle a beaucoup bu. Là, fait que Shirley, elle essaie de la flirter comment? C'est parce que je veux savoir quel skill prend. Ben, je sais pas. Là, avec ses muscles, genre. Ah, avec ses muscles, ok. Fait que Shirley a flex. Là. Shirley a flex, elle lui montre qu'elle est en forme. Elle utilise son physique. Donc, je vais avoir. Ben, c'est ça la fourrure. C'est ton mini bench. Fait qu'on vient de découvrir que. Ouais. Shirley. Ouais, c'est ça. C'est le dark side de Shirley une fois qu'elle boit. Shirley, tu peux faire un athletics check. Athletics. Pour flexer. What genre. Happening? Ok. Mais la perception que Xiala est aussi diminuée par l'alcool, là, je veux dire. Mais Xiala, c'est une elfe. Ça en prend beaucoup pour qu'un elfe se saoule. Oh, shit. C'est ça le problème. Oh shit, c'est ça. On va faire un inside check. Ouais. Oh. Oh non. Ouais. Oh non. Tu vas me faire battre. Non, en réalité, ce qui se passe, c'est que Xiala te ramène dans sa chambre. Quoi? Oui, oui, Xiala te ramène dans sa chambre, mais tu réalises que c'est pas tant toi qui l'a flirté que elle qui t'a eu, tu sais, genre. Puis quand que la porte ferme, elle va te montrer quelque chose que tu savais pas qu'elle pouvait faire. Oh shit! Elle a un talent caché! Elle a son talent caché! Ouais, tu finis de ce bord-là, toi! Xiala, c'est une druide rogue. Et donc, elle est capable de se transformer des bouts en animaux et de flexer dans des angles qu'elle devrait pas, et etc. Oh mon dieu, à wild shape! À wild shape! Fait qu'on fade to black. Laissez vos imaginations aller où vous voulez. That's it!
Ah non, elle se transforme en hyène. Garde-la en hyène, c'est-tu. Ah, c'est-tu qui a rien compris. C'est bon! En hyène, ok. Non, moi j'ai tout compris. Si vous connaissez des détails spéciaux par rapport à l'anatomie des hyènes, vous allez comprendre. Bon. Ouais, un peu wild shapé, mais en partie. Pas juste un animal. Ah, okay. Et voilà. Pas nécessairement un couple, okay. Mais ils passent une belle soirée. Vous mais découvrez. On s'en rappelle peut-être pas. Ben, Xiala va s'en souvenir, puis tout le monde va s'en souvenir, parce que ceux qui dorment dans la pièce, ou fabriquent, même s'ils inertent, Xiala se crisse qu'il y ait d'autres mondes dans la boutique. Nice. Voilà. C'est vrai, puis les lingots, ils arrivent demain. Ah. Céline, elle va faire le tour des chambres pour voir qui est-ce qui dort, puis avec qui est-ce que ça se passe. C'est pas que c'est avec Shirley. Fait qu'elle va venir aux portes des gars. Céline est comme, voyons, voyons voir tabarnak, si c'est qui miaule. Tu sais, rien... ouais. C'est qui miaule. Ah! Je vais rentrer dans les chambres de Sonol puis de Variax, puis je vais chercher genre, c'est lequel? Finalement, je me rends compte que c'est genre. Shirley. Mais les deux sont pas là. Fait que tu te rends compte que les... Ils sont, sont partis marcher. Ils m'ont pas invité au party, j'ai été laissé de côté, je vais bouder encore. Pendant qu'il est en train de cogner aux portes, là, on revient. En tout cas, moi, je reviens. Okay, fait que là, tu vois Valriax arriver. Fait que c'est juste une petite marche de santé. Fait que là, les gars, quand vous rentrez, vous réalisez que le party est pris dans place. Ben, moi, je rentre pas de la nuit. Je m'en vais prendre une petite marche dans le okay, coin. OK, fait que Sonol laisse sous-entendre que c'est peut-être lui. Ouais. OK, mais c'est non, bon. Mais non, je vais faire un petit tour dans le coin des banques, mais sans aller dedans. Juste me promener la autour, nuit? Voir. Je veux pas aller pourquoi dedans. Tu fais ça? Je veux me promener autour, voir qu'est-ce qui se passe. Ça existe. Mais si c'est pas une mort vivante, c'est quoi ton problème? Il détecte un dead ou il va pas dedans, c'est ça. J'ai non, dit, non, je c'est parce que toi, j'ai besoin que tu comprennes. Là. Je sais que tu vas pas dans l'église. Mais je vais pas dans l'église, je vais pas dans le district. Ok, tu t'en vas te promener autour du district. Exact. Ok, c'est beau. Okay. Parce que c'est pas ça que j'avais compris. Moi, j'avais compris. Non, je rentre dans le district de nuit. J'étais comme, bon, ben. Je me promène autour. Donne-moi ta fiche que je la déchire. On va pas. Pas si fou que ça, là. Donc, tu vois. Écoute, c'est pas long. T'arrives aux abords du district. La minute que t'arrives, ça prend comme quelques instants. Malgré que tu penses que t'es caché, tu vois. Attends, je vais aller te trouver. Parce que je veux te montrer une image de tout ça. Et j'ai surtout pas mon masque de corbeau. On les verra pas, ça tombe bien. En tout cas, tu vois 4-5 ghouls. Fait que des espèces de créatures dévoluées avec la mâchoire qui est complètement tendue avec des dents, des petits yeux qui glow rouge puis des cheveux un peu partout. Qui se pointe directement aux abords du district, sur la ligne. Puis... Puis il regarde tout dans la direction où tu es. Mais il bouge pas de la ligne. Yeah. Fait que je retourne de où je viens, je vais pas plus proche. Puis je continue à me promener dans la nuit comme ça. Ok. Je me promène et je pense. Tu penses? De toute façon, un elfe, ça dort pas tant. Non. Tu peux méditer pendant 4 heures, tu vas être correct. C'est ça. Fait que je reviendrai le matin pendant qu'il déjeune, je médite. Ok. Moi, j'aimerais ça prendre le temps de parler avec le Variax quand il revient sur les Mercalanistes, là. Puis, lui dire que ce serait peut-être une bonne idée qu'on essaye de se rapprocher, vu nos objectifs communs, de... C'est quoi, Lady Vistoria? Celle avec le masque, là. Quand c'est rien. Ouais. Genre... Ben, déjà savoir, c'est ça mes intentions en fait, là, je te le dis ouvertement, là, tant qu'à être dans le Mercalanar, il y a quand même une grosse game politique qui, moi, m'intéresse beaucoup de m'y joindre. Pour ce que j'ai compris, c'est vraiment difficile de s'impliquer, de s'implémenter dans cette game-là, mais sans en être la tête dirigeante, sans en être parmi les sept,
avoir une certaine influence auprès de quelqu'un de ces sept-là. Oui, je suis d'accord. Le défi, c'est qu'ils sont très inaccessibles. Donc, au lieu de tourner notre attention vers eux, what if on les forçait à tourner leur attention vers nous? T'as-tu quelque chose en tête? Ben, c'est 325$ pour s'inscrire pour la campagne. Pas 325, c'est 300. 300. Ben, genre, je dis 325 parce que... parce que... Il y a son 10% qui revient. C'est ça, exact. mais, en tout cas, la façon dont je le vois, c'est que ça peut être intéressant de s'y inscrire en sachant très bien qu'on n'a aucune chance. Mais essayer de faire des vagues un peu, de se faire connaître, puis juste de déranger, mais comme... Sans dire déranger, là, mais juste de se faire remarquer. À ce niveau-là. On s'entend? Pas à d'autres. Non, fait ils n'ont pas vu le corbeau. Vous aviez des masses de ninja. Ouais. Mais... ouais. Fait que c'est ça ma réflexion en ce moment par rapport à... Je suis d'accord. Puis moi, je veux toujours trouver un moyen d'utiliser mes dons pour... influencer, me faire connaître. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas vraiment l'alcool qui te rend un peu olé-olé, là, parce que là, t'es posé, là. C'est un personnage. Mm-hmm. Puis là, c'est là qu'on entend. Ah, oh, ça fait longtemps que vous l'entendez. Ok, ok, parfait. Je suis pas sûr qu'il dorme beaucoup. Tu sais, des bouts, ça arrête. Pis là, Xiala, elle, c'est une vraie elle. Fait qu'elle a pas besoin de dormir ben ben, elle non plus. Pourquoi? C'est bon. Pourquoi? Ah, c'est toi qui as ouvert la porte. C'est pas juste la porte elle peut ouvert. Juste comme wild shape certaines parties de son corps. Hein, c'est non, ça elle peut dit, wild hein. Shaper au complet, mais elle a la faculté de wild shaper juste certaines parties de son corps en plus. Mm. Ah, ok, c'est ça. Mm. Pendant ce temps-là, le lendemain, Fabrique, s'il lui, vous plaît. Fait juste, hein? Fabrique, lui, j'aime qu'Arte est allé quelque part comme moi, j'avais pas pensé, tu sais. Mais c'est bon. C'est good. Comme je vais faire ça, ok, Charlie, c'est beau. Je suis plus à l'aise. Je veux parler du lendemain matin, mais ouais. Le lendemain matin, je vais les attendre avec un petit café, déjà prêt. un petit verre d'eau, là. Donc, on est prêt à accueillir la commande le lendemain? Ah ouais, ouais, la commande, yes. Ouais. Donc... Ah oui, mais mon atelier de jewel crafting est comme tout à neuf, tout est beau, tout est prêt. Puis ma forge est en train de chauffer. Fait que j'ai hâte. D'ailleurs, question générale, là, c'est quoi l'état de nos finances en ce moment? Avant qu'on reçoive... On la a commande. 355 gold dans le pool. Ok. Cool. Ça, c'est avec notre cash ou sans notre cash? Sans notre cash. Ok. Ça, c'est dans le commun, là, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Parfait. Ok. Lendemain matin, Sonol finit par rentrer pendant que vous êtes après déjeuner. Célène se lève de bonne heure. Bon, Sonol s'en va dans le jardin. Célène se lève de bonne heure, prépare les cafés et puis le kit. Et éventuellement, je sais pas si Shirley sort en même temps, mais... Mais si j'ai oublié son nom, je suis vraiment... Xiala. Xiala... Moins d'XP pour... J'étais comme... Ouais, mais je me donne moins d'XP, c'est bon. Xiala... entre... Et clairement pas gêné, elle a même pas pris le temps de placer ses cheveux, t'es encore tout éméché et puis tu le quittes. Puis elle s'assied, elle fait un gros sourire à Céline. Merci. Je vais prendre le café. Mais ça me fait plaisir, cher. Mais si Mario a manqué de baisser d'XP, ça veut dire que Carloxol est plus facile. On est ruiné. Il est temps d'y aller, la gare. Pousse pas ta loc. Pousse pas ta loc. Ok. Je prends un café aussi, puis je m'assois avec le reste. Shirley reste dans la chambre, je pense. Non, Shirley va aller prendre un café. Là. Elle est bien contente. Okay. Tout va bien.
Elle a un peu la gueule de bois, fait que... Fabrique va être présent. Fabrique va faire acte de présence. Moi, je suis en train de méditer dans serre pour me relaxer. OK. Marcher toute la nuit, c'est long. Eh mon Dieu. C'est le personnage que le nom a été le plus bastardisé. Comment t'as... Calaxel. Carlaxel. Tabarnak. Carlos. Carlos. Oh my god. OK. Donc, vous attendez la livraison? Oui. OK. Ça commence à arriver comme à peu près une heure après le café. Il y a des gens qui se présentent avec une charrette. Ils livrent 12 lingots de métal qui a l'air d'être du fer fabrique. En plus de ça, tu reçois 2 caisses de charbon pour faire de l'acier, n'est-ce pas? Je pourrais faire de la... Ok, fait j'ai pas fini, là. En plus de ça, vous recevez... On l'a perdu. Ouais, je sais. un set de 6 quartz, à peu près la grosseur de mon poing. Et un set de 6 citrines de la même grosseur pour pouvoir faire des pierres. Ensuite de ça, vous recevez de l'équipement assez banal, là, t'sais, genre une dizaine de dagues, des livres, comment faire une corde pour aller à l'aventure, t'sais, genre faire tes nœuds, comment traquer. Vous recevez de l'équipement d'aventure, vous recevez des parchemins, des plumes. De l'encre que vous pouvez vendre ou pas. Puis de l'équipement de base, elle a même réussi à vous trouver quelques 6 potions de guérison que vous pouvez vendre ou prendre pour vous autres si vous voulez. Ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'elle a stocké nice. le front du magasin avec quelques items pour l'arrière. Quand même. 6 potions. Bien joué. 6 potions de guérison. Rien que ça, elle n'a presque pour le cash que. Elle te l'avait dit qu'elle était talentueuse. Fait que là, je me déguise. Charlie, elle est pas juste pour trouver des objets. Ah oui. Je m'en rappelle pas beaucoup, là. Elle a trouvé quoi faire. Ah oui, elle sait ce qu'elle fait. Une très bonne druide. Druide? Quoi? Quoi? Ben, on commence à mettre en vente, j'imagine. Ben ça, oui. Je disais, je me déguise en homme tanuit, puis je me mets en avant de la bâtisse, puis... Ben, y a-tu des choses dans le lot qui nous intéressent, nous? Ben, je vais te vous le dire, là. Non, mais c'est ce qu'on veut pas mettre en vente, c'est ça, mon point. Rien que ça soit assez hot pour pas qu'on peut mettre en vente. Je pense que les potions, même, on devrait les mettre là parce que c'est peut-être une des meilleures manières de faire un petit peu de cash. Oui. Les potions, c'est genre, c'est 50 gold l'achat, là. Fait que ça va être fantastique. Parfait. On met ça, le tout en vente, puis on roule le magasin. Bienvenue dans Magasin Simulator. Fait qu'on on regarde Dixella, tu vas être bonne pour tenir la boutique. J'espère, c'est pour ça qu'on l'a engagé. Yeah, mais de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Ouais. Mais oui, certainement. Pourquoi? Ah, je sais pas. Il fait beau dehors. Ben, il pleut, là, mais OK, oui. Donc, c'est bon. Les mercenaires, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous êtes clairement pas obligé de rester au magasin pendant qu'elle tire. Non. Ben, à part Fabrique, il veut clairement fabriquer des affaires puis jouer à Magasin Simulateur. Okay. Mais, les autres? Eh là, si on va pas toute la gang, on n'ira pas faire une mission, fait que... Non, mais je ferai mon... Je ferai mon Damascus Steel une autre fois. Damascus. On a-tu une mission, là? Non, ben, on en a une. En réalité, là, vous en avez comme 10 sur le plancher. C'est juste qu'il va falloir que vous en preniez une, puis vous y alliez. Ouais.
Fait qu'on va-tu... On retourne-tu au port? Question de foutre la merde encore. Valriac, tu veux pas. Célène, elle va aller clairement au port. Moi, je veux juste lancer une fireball sur quelqu'un. Là, ça fait genre 4 games qu'on s'est pas battu. J'ai envie de lancer un spell sur quelqu'un. Fait que c'est pas genre quelqu'un d'autre, ça va être un de vous autres bientôt. Là, je vous préviens. Ben, là. Ça va être là, ça parce que moi, j'ai. Non. J'ai 8 maps de combat prêtes pour vous autres. Fait que déniaisez. J'en fais à chaque crise de mots, puis vous y allez jamais. C'est pas de ma faute. Bon. Je voudrais ramener l'idée des ruines sous l'université sur la table. Je crois qu'on a sauté hier vite aux conclusions que c'était une mauvaise idée. Parce que l'objectif qui avait ressurgi était de trouver des items. L'objectif principal de la chose, pour trouver des items à vendre. Je pense qu'on peut voir ça plus comme un... Sans être l'objectif principal, être un beau sideline, un bon plus. Mais je crois qu'en tant que groupe, faut qu'on continue de vouloir être plus fort, de vouloir s'améliorer en tant que force, en tant que combattant, on va dire ça, combattant. Mm-hmm. Puis ça va pouvoir nous permettre de faire ça, se rapprocher notamment de les rumeurs probablement fondées, je sais plus, de par rapport à l'arme de Carlos. Puis je pense que tout ça jouerait en notre faveur à long terme. Et en plus, on pourrait trouver des choses pour la boutique. Et un de nos buts n'était pas justement aussi de faire chier Carlos? De réussir à déjouer ses plans serait pas une bonne chose? En tout cas, j'avais cru comprendre que du moins certains d'entre nous avaient un objectif en ce sens. Après... Moi, je continue à dire que peu importe ce qu'on fait, faut qu'on le fasse ensemble. On a vu ce que ça l'a donné par le passé quand on se séparait. Ouais. Et la dernière chose qu'on veut, c'est que ça se reproduise. Par contre, si on décide de faire une chose, on le fait à 100%. Et ensemble. Ouais. Bien, moi, c'est sûr que vous connaissez mon avis sur Carlos. Mon objectif était plus tant de me venger. Je suis un peu indifférente, en fait, je vais vous avouer. Par contre, Damien a été un bon allié pour moi durant les derniers mois, on va dire comme ça. Quelqu'un qui a été présent. Puis je pense que trouver l'épée pourrait être... peut-être profitable pour lui, peut-être profitable pour quelqu'un d'autre. Peu importe si ça peut faire avancer quelqu'un qui est important pour moi. D'une manière... Je suis prête à y aller. Si on n'utilise pas l'épée, d'une manière ou d'une autre, si on la donne au Mao... Ça va peut-être aussi racheter certaines faveurs qu'ils nous ont déjà données. Fait que ça serait un bon deal. Je sais pas pourquoi qu'on parle de la donner au Mao. Non, moi, mais... J'ai dit plus. Si. Je comprends pas pourquoi qu'on parle de la donner à Damien, là. Je veux dire... Le ben, but, c'est de Céline la garder pour nous. c'est parce que Céline a le Damien quand même dans son cœur en quelque part, là. Puis c'est ça. Mais peu importe. Comme j'ai dit après... si ça peut être utile pour quelqu'un. On pourrait l'avoir. Arrête de faire des gros yeux, là. Parce que tu quelqu'un plus proche de toi qui y aveut, mais en tout cas, je dis ça, je l'ai. Audriac, c'est le sait qu'elle pourrait être pratique pour lui? Oui, il sait. Ok. C'est vous autres qui le savez pas, par exemple? Ouais, c'est d'autres, on le sait pas. Ouais, mais c'est ça, c'est nous, on le sait pas. Non, là. Non, Célène le sait. Céline, oui, c'est que l'épée. Sais. Oui, ben, oui, parce que tu sais tout. Vous avez beaucoup de secrets, vous deux. Oui, c'est vrai. Oh, ben, je m'excuse. Non, c'est parce pas que hey, ça fait un bout de sonore. J'y ai parlé de ça avant la voûte. L'épée, là, la vision vrai, qu'elle a vue, l'épée, puis tout, ouais. Là, ça fait un bail. Là, je vois. Mais je m'excuse, j'ai pas parlé de Damien Bord. Tout ce que tu dis remplace Damien par Valeriax, c'est parfait. Ah, ben dans ce cas-là, on ferait mieux d'y aller, effectivement. Wow! Ah, je pensais que t'avais un autre motif qui faisait que tu voulais pas y aller, Shirley. J'avais la souris sur le jet de persuasion, il était prêt. Non, mais je pense que Shirley est de bonne humeur à matin. Elle va tout accepter.
Il faut utiliser les bons mots et expliquer correctement, et après, on comprend tout. Mon prochain move, c'est d'en parler à Xiala pour la convaincre. Si tu peux parler à Shirley demain soir, là, tu sais, comme... tu mettrais ça dans la tête. Bon, fait qu'on le fait. Ok, on peut one y aller. Day. Oui, one mais two, j'espère pas day. Avoir besoin d'une potion de healing qu'on a vendue parce que ça va me faire chier, mais c'est correct. Mais on l'a pas vendu encore. Si on veut partir avec trois des potions d'healing pour se backer puis en laisser deux en magasin, c'est encore faisable. Au pire, on les revendra après si on les utilise pas. Exact. Parfait. Mm. Fait que je vais prendre une potion de healing, s'il vous plaît. Je n'ai tellement pas confiance. C'est incroyable. Mais okay. Moi-même, on n'a aucun healer. C'est pas vrai? Ben exactement. C'est pas vrai, ça! Je suis là. Je peux dépanner. Je peux dépanner. Oui, mais vous pouvez healer une fois chaque. Genre. Ouais. C'est non, ça on n'appelle pas ça être un healer. Du moins... Je t'ai racheté une potion. Je dirais aussi chercher de l'eau bénite, parce que... J'ai comme l'impression qu'on va rencontrer de quoi de pas vivant en bas, ça pourrait être pratique. Quoi? Pardonnez-moi, mais peut-être, mais c'est rare de ce que j'ai entendu. Ça se passe surtout dans le district de l'université, c'est là que je travaillais. C'est des elfes mutés puis des trucs comme ça qu'il y a là-dedans. Là. T'as entendu, elle? Veuillez voir où vous êtes placé. On est tous dans le stand. Là. Fait partie. On est en train de on est en train de remplir les étagères. Comme, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tac, tac, tac. Ah, ok, finalement, je vais laisser faire les 5, moi d'en prendre 2, qu'un Shirley. Sérieux, on aime mieux se faire confiance parce que sinon. Mais là, il n'y a personne qui prend des potions. Parce que sinon, je vais en prendre 3 puis je vous les passe. Ben, je m'en sprune aussi. Ok, c'est bon. Qui en veut, là? Bon. Une à Célène, puis une à Fabrique, c'est ça? Aux trois qui se healent pas. Ouais. Je suis supposé pouvoir me healer tout seul, ok? Genre, je génère mon level en temporary hit points à tous les rounds, mais je sais que ça sera pas assez pour tanker pour vous autres. Même si t'es supposé d'être des elfes mutants, je sais pas, j'ai comme un doute que je prendrais pas de chance. Ben, on peut se dire, mettons, que c'est Carlos qui a mis des trucs en place. Carlos était un fantôme. I don't know. Mais il y a eu les vampires. Fait que probablement qu'il nous aura pas mis des vampires d'en face. Fait que le pire qu'on pourrait rencontrer, c'est genre des fantômes, des trucs comme ça. Ce sera pas des morts vivants. I don't know, là. Parce qu'un fantôme, tu trouves, c'est vivant, toi? Mm-hmm. Ben, non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'eau bénite, c'est fantôme. Ça fait-tu vraiment quelque chose? C'est-tu... Mais c'est ça... C'est plus ça mon point. C'est que l'eau bénite, ouais, c'est plus qu'on contre les vampires, puis Carlos nous générera pas des vampires d'en face, là. Ouais, il y a une différence entre genre des créatures incorporelles et des créatures corporelles. Donc, les choses incorporelles, ça va prendre des objets qui sont magiques pour pouvoir genre leur infliger du dégât ou de la magie pure. Donc, à ce moment-là. Valeriax va pouvoir aider avec. Je pense qu'on overthink les affaires comme d'habitude. Là, ouais. Genre, ouais. Mm-hmm. On devrait y aller. Genre, on le fait. Moi, je trouve que d'habitude, justement, on overthink. Alors, dans les ruines. Puis à chaque fois, on arrive. Ça veut dire que le dégât physique, ça sert à rien, c'est ça? Si! Là! Eh mon dieu! Que vous on peut assumez juste y aller, des trucs. Face off. C'est bon, allons-y, on se prend par la main, on gambade jusqu'au district de l'université, puis on rentre derrière avec un gros. Je suis supposé être en mode infiltrateur, moi je suis supposé être en mode gardien à cette heure. Non. C'est vrai. Non. C'était supposé être en mode infiltrateur, tu blasses de loin. Oui, c'est vrai, je suis pas le tank. Cool. On fait du damage de loin. Est-ce qu'on a 13 d'assaut puis on veut pas être en melee. Les amis, voulez-vous que je joue vos bonhommes aussi? Question. On veut que tu nous mettes la map, Mario, puis que tu nous dises rouler votre initiative. C'est ça correct. Qu'on veut. C'est là. J'ai eu un souvenir complètement random de genre quelqu'un qui a fait « Ah, c'est correct, Fabrique va pouvoir tanker. » Je suis comme... Mais question hors RP, mettons. Là. Oui, on n'aura pas le temps de tout faire à soir, logiquement. Non, en théorie, on fait faire une entrée en matière. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais, je sais, mais il est déjà à ses pleins points de vie, c'est qu'il load mal. Donc.
vous rentrez dans le district de l'université et vous vous dirigez vers la porte que Célène vous a menée. L'avantage que vous avez, c'est que Célène sait exactement où est l'épée. C'est gravé dans sa mémoire du temps... Non, elle est plus loin que ça. Du temps que elle était avec Carl Axel. Quand vous marchez, veuillez s'il vous plaît tous me faire un jet de perception avant de descendre en bas. Pom 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 pom. Alright. On va faire guidance. Arc. Shirley, elle pense encore à Zia là. Mais... Elle marche encore. Shirley, elle a passé une très très bonne nuit. Encore brouille, là. Encore. Donc, Célène, Valriac, Sonol et Fabrique. Quand vous vous promenez, il y a étrangement beaucoup de chats qui vous regardent. Voyons. Célène est full hype, là. Genre, elle est contente. Elle fait des tatas à tous les chats. Je vois le reflet des yeux des chats, je fais juste penser aux citrines qui m'attendent à la chat. Je suis comme... Valriax, comme t'es le seul qui a une tête. Les chats ont l'air d'avoir un regard... Enfin, roule-moi donc un Animal Handling, pour le fun. Oui, oui, mais grande spécialité. Bah, écoute, ça te prendra pas grand-chose. C'est déjà très bon. Les chats ont l'air... Tu sais, ils ont les oreilles... comme sur une note, tu sais, flat. Ils sont pas comme aux aguets en avant. Ouais. Ils ont l'air d'un, d'avoir un regard piteux en vous regardant marcher. Ok. Je m'en vais vers Célène, puis je dis, t'es-tu capable de comme... leur communiquer ou voir comment ils se sentent ou qu'est-ce qu'ils... pourquoi ils ont l'air comme un peu inquiets, mettons, là, je veux dire comme ça. Les, ben, ils sont inquiets parce que le roi des chats a dit Carlos allait tout faire pour nous empêcher de réussir, puis on est ici quand même. J'adore l'optimisme. Ouais, peut-être. T'es sûr? Fait que ça, c'est le message que tu devais nous donner tantôt. Mais je l'ai donné hier. Charlie. C'est la raison pour laquelle on n'est pas venu, parce que t'as dit que c'était un plan de merde. Et sur ce, là, ne criez pas trop. Vous allez faire peur au chat. Célène, tu vas faire peur au chat. C'est juste pour la dissuader. C'est ça. Sur ce, vous arrivez devant une entrée qui descend. Devant l'entrée, il y a une pancarte de bois qui est écrite « Entrez à vos risques. La maison Alvaro n'est plus responsable de votre bien-être le moment que vous franchissez cette ligne. » Ah, ok. Bon. Célène, elle donne une petite tape ça, sur la pancarte, là, puis elle rentre, puis elle est comme... Tu rentres la première, là? Ben, tu sais, je commence à descendre, je tape, puis je suis comme, ok, merci, tu sais, comme, c'est gentil. Mettons, je suis pas loin. Ok. Ouais. Qui a pas Dark Vision? Oh shit, moi. Où c'est qu'on voit ça? Je pense que j'ai pas Dark Vision. Okay. Je reste en arrière. Je me rends compte que je vois rien et je recule. Je vais ouvrir une torche. On peut-tu? Oui, vous pouvez allumer une torche. Ceci dit. Fais de la lumière. Ah, c'est pas bon. On voit ça ou Dark Vision? Je pense que tu l'as, Valérie. Ouais, moi aussi. Il est dans tes senses sur le dessus de ta fiche. Valeriax, senses, dark vision, 60 pieds. Oui, c'est correct. Fait que là, je vois que les deux en arrière... Ah non, j'ai pas. C'est beau. Je pensais que j'avais un sort préparé pour ça, mais je l'ai pas. Fabrique, il voit-tu dans le noir? Ah ben, tabarnak. Non, Fabrique ne voit pas dans le noir. Ben non, regardons ça. Non, un Warforge ne voit pas dans le noir. Donc! Fuck! Ok. Je vais me casser dans le noir. C'est noir, hein? Là, je vais l'essayer. Là. Fait que vous rentrez, vous descendez. Vous descendez pendant à peu près 15-20 minutes avant que la dénivellation arrive comme sur un plateau. Vous remarquez des structures en avant de vous autres. Il y a des.
Ils ont tous le même look. Les structures ont l'air d'être faites d'une espèce de pierre blanche avec de la poussière dessus. Puis, comme du marbre, un peu. Mais les veinures, au lieu d'être noires, elles sont d'un matériel doré. Ooh. Vous voyez de la végétation un peu. Surtout pour ceux qui ont Dark Vision, vous voyez des champignons qui semblent refléter votre vision nocturne. Donc, vous voyez des couleurs bleutées un peu partout. Et vous commencez à voir des torches au loin. Hmm. Des torches qui semblent avoir été allumées. Pour vous. Ce sont allumées. Pour non, nous, c'est gentil. Ben, ils ont l'air d'être allumés, genre comme si ça montrait un passage où il y a des gens qui sont passés par là. C'est ce que je veux dire. Sur les alentours de ce qui semble être une grande promenade. Hmm. J'imagine qu'on se dirige. C'est comme vous voulez. Ouais. Moi, je prends 3 cailloux à terre. Mm-hmm. Puis je casse light sur chacun des cailloux. Puis je sais qui voit pas dans le noir. On doit en avoir fait plusieurs sorties dans la nuit. Ouais, mais dans la nuit, il y a quand même toujours de la lumière. Là, c'est vraiment sous terre. Là, mais tu sais, je dois me douter qui voit pas dans le noir. Ouais, oui. Je leur donne chacun un caillou. Je lui dis au pire, mettez-les dans vos poches. Ils paraîtront pas. Puis si vous avez besoin de voir, vous les aurez de près. Merci. Très gentil. Ça, ils n'auront pas besoin d'allumer une torche. Ah, Sonol. Toujours celui qui protège les autres. Dit une voix qui se fait entendre de partout en même temps. Est-ce que la voix... Ah, vous la reconnaissez. Excusez, je suis pas capable de le faire. Ma voix me le permet pas. J'essaye, mais... Je veux dire à Sonol, t'as une belle réputation. Pareil. Salut, Carlos. Sup, dog. Bonjour. J'allais faire une petite révérence, je sais pas où, mais tu sais, je suis... Créature. Céline, Céline, Céline. Est-ce que t'as eu la bonne nouvelle, Carlos? Que t'as dégradé? Oui, j'en ai entendu parler. En tout cas, peut-être que lui va pas me laisser mourir. En tout cas. Malheureusement, je peux pas protéger contre l'incompétence. Ça, Carlos. Ça passe pas. Écoute, je viens dans le vide, genre. C'est ça. Je viens de donner mes pouvoirs à un autre qui a réussi à terrasser une cinquantaine d'ennemis. Good for you. Je pense que le problème, c'était peut-être l'autre. Mais est-ce que quelqu'un a posé la question parce que... On continue-tu à avancer pendant ce temps-là, by the way? Ben oui, ouais. Ben j'espère que... Je pense qu'on est pas mal stoppé à checker qu'est-ce qui se passe autour de nous parce que... Ouais, ben les torches sont où? Les choses sont... Ben sont en avant de vous autres, voyez-vous? Ben oui, on voit des torches. Les spots bleus? Les spots orange? Voyons! C'est chelé! Et mon Dieu! Ok, c'est bon. Je dessus. Ben oui, ok, c'est bon. Je vois ça, c'est bon. Pourquoi je me fais faire des maps? Non, parce que genre, je vois beaucoup de choses en noir. Fait que je partais loin. Mais là, ouais, minute. Là, tout le monde avance. C'est, je sais plus. On dirait que c'est une danse. Faites-vous de la danse en ligne, mes amis? Mais. C'est ça que je voulais faire. Là, moi, je veux voir. Ok, ça, c'est toi. Je vois-tu quelque chose en particulier, tu sais, dans mon... J'ai pas de Dark Vision, mais... Mais Céline, elle connaît le chemin, quand même. Céline! La lame a été déplacée. Et si tu continues, vous allez le payer. C'est très très lourd, Carlos. Très très lourd. Je parle comme quelqu'un qui est comme pas content qu'on brise ses plans. Ouais. Céline, mettons que
Tu te souviens de la place, tu sais le chemin. Si elle avait été déplacée, tu penses qu'elle aurait été déplacée où? Elle a-tu un insight là-dessus? Non. Oh boy, roule-moi. On a partagé des. Ouais, mais. Oui, mais non. Roule un history dans check. Là, c'est comme ton ex. Ouais, mais c'est ton ex qui achète. Oui, pas toi. Tu veux-tu prendre un dé là? Tu volais dans ta tête. Ouais, je vais prendre un dé. Ok, on enlève un dé à Céline. Oui, c'était mon ex. Ouais, oui, mais c'est parce que tu t'es fait gaslighter pendant genre tes 15 dernières années. Ouais, ben c'est ça. C'est pretty much ça. Il disait ce qu'il voulait bien dire. Right? Oui, exactement. Oui. Comme, non, mais c'est clair que j'ai de quoi en soutirer. C'était une relation toxique et t'étais une victime. De quoi tu parles? Mais mon point, c'est juste que si c'est vrai que ça a été déplacé, le insight initial de Céline, casser le chemin, il est plus bon. Il est plus bon. Fait qu'il faut qu'on explore par nous-mêmes. Là. C'est une épée magique, on peut-tu avoir Detect Magic? Ouais, mais il y a un maximum de range que tu peux avec Detect Magic. Okay. Mais oui, tu pourrais le faire. Est-ce qu'on peut faire un insight? On peut faire un scry ou quelque chose à ce moment-là. Mais... Bon, un insight, ça fonctionne quand tu regardes la personne puis tu es capable de jauger ses réactions faciales. Dans le cas de Karl Axel, ça fonctionnera pas bien. Ben. Premièrement, il est même pas là. Dans le ton de sa voix. Ok, sure, vas-y avec des avantages. C'est de gager la voix off. On s'entend que c'est une petite bitch aussi. Là. Si, mettons, l'épée est là, c'est sûr qu'il veut pas qu'on l'ait, fait qu'il va nous dire qu'elle est pas là. C'est ça, je me dis, moi aussi. Ouais, mais là, Carlos, c'est parce qu'on a pas le temps avec tes niaiseries. Là. Fait que pourquoi tu ne dis pas tout de suite hey, où l'épée? Comme ça, ben, on en finit rapidement. Mais on venait pas pour ça, anyway. On venait chercher plein d'autres babioles. Qui on avait comme 25... Non, mais on venait pour l'épée, puis le tout était un bonus. C'est vrai, ça. On n'écoute plus Carlos, là. Mais de toute façon, quand Céline parle, il répond pas. Hmm. Ok, ben bonne nuit, Carlos. Fait que là, on continue. Y'a-tu quelqu'un de courageux qui peut... qui veut avancer pour prendre les trappes, ces trucs-là? La dernière fois que j'ai ouvert la marche, je me suis fait défoncer. Non, ok, stop! On bouge plus, on ne bouge plus. Trop tard, on ne bouge plus. Je trouve que ça va en bouger. Oui, j'ai vu. Ah, inquiète-toi pas, je vais la mettre en avant. Pour la punir de celle-là. Ben, celle-là, elle s'en va là, puis elle bouge plus. Bon, tu restes là. Initiative, les amis. Se matérialise devant vous une femme semi-transparente qui a des traits elfiques. Ainsi que ses deux acolytes qui ont l'air semblables. Non, on va attendre de là, une... Je me rappelle plus comment faire. Non, ça fait du bien d'avoir pas Albert. Clic droit, c'est ton bonhomme. Ah oui, ok, ça. Oui, c'est beau, Marie. Tu sais, la même affaire que lundi, oui, celle-là. Okay. Ah oui, c'est beau, je l'ai. Ok. Je suis là. Ça, c'est bon. Tu fais genre Siri, roule-moi l'initiative. Oh, ça serait incroyable. Fabrique, il est encore mélangé dans ses affaires. Oui, ben, j'essaie juste de... Tout ce que je veux, c'est genre désélectionner Ersatz. Mais Ersatz, il n'y a pas d'initiative, on s'en fout. C'est exactement pour ça. Comme, il est dans les nids, là, Sty, il n'est pas supposé être là. Il n'est plus là. Bon! Yes! Mario, j'ai besoin de piger mes trois cartes, là, tu sais, au cas où que ça puisse me sauver la vie. Oui, pige tes cartes. Oui. J'ai la lune, l'ermite... Ben, j'ai l'air à bout, là, ouais, pêche, t'es là, t'es carte, là, maudite fatigante. Pige, tu verras bien que ça sert à rien. C'est quoi les cartes de pigeon, excuse-moi? La lune, l'ermite et les amoureux. Bon, les amoureux. Ok. Quand tu vas finir un short rest, tu vas pouvoir healer tes amis de 1d8 points de vie. On n'a pas le temps pour ça. Ah, okay. Oh, peut-être qu'on a le temps pour un short rest. Je sais pas. Pas là, là! C'est quoi le prochain? Attends, oui, là, je cherche la lune, là. Indispensable. La lune? Oh, that will for justice, the young man. Dead Temperance, the devil, the tower, the moon!
Tu as advantage à tes survival check et plus 5 à tes jets de perception. Ok. C'est quoi le troisième, tu m'avais dit? L'ermite. L'ermite. Crèche, oui, plus clair. Justice will... The Hermit, tu peux utiliser Guidance sur toi-même. Je vais prendre la lune. Tu vas prendre la lune. Donc, la lune qui faisait... Perception, survival, puis quand... Tu peux avoir résistance au psychic damage quand tu l'empower. OK? Puis le spell... Tu as Pattern Hypnotique. Qui compte des fantômes servira fuck all. C'est bien gentil, merci beaucoup Mario. Ça me fait plaisir. Très apprécié. Écoute, je suis là pour servir. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi les ennemis qu'ils affrontent, ils ont deux fantômes sur les bras et une banshee. Oui, exactement, Arte. Une banshee. Let's go. Des fantômes. Et on commence par Monsieur Fantôme numéro 1. OK. Il va... se déplacer, donc il va voler 40 pieds. Ça va venir ici. Il fait pas mal moins que 40 pieds. Non, il vole pas 40 pieds, mais il peut voler jusqu'à 40 pieds. Okay. Il va faire ça. Donc, il fait bou comme Casper. Et tout le monde me doit un Wisdom Saving Throw, s'il vous plaît. Nice. C'est le seul qui a plus de musique, d'ailleurs. Il y en a de la musique, je l'ai changé. Peut-être juste faire reload sur ton tapage. OK. T'as dit Comment Wisdom? Comment on fait ça? Ah, là, en haut. Okay. Plus, moins 2. Ouais. Hey, je peux-tu rouler comme... Oui, j'ai des dés. Pas de la piste, s'il vous plaît. On prend un dé. Et Fabrique et Sonol prennent un dé chaque. Hey! T'as pas entendu, je pense. On reprend un dé. Moi, je suis correct. Sonol est correct. Célène et Fabrique, vous êtes en échec. Il me reste un dé. Il t'en reste deux, Célène 3. Je vais m'en rester un. Calice. Fabrique toujours en échec. Célène toujours en échec. On prend mon dernier dé. Le dé, c'est 13, les amis. Aïe, c'est. C'est le fun. Je peux-tu guidance, là? Je vais me guidance. Pas sur un saving throw. Hey, c'est. Quoi, ce jeu de. Encore le temps de faire bless non plus. C'est quoi, c'est pas le bless? C'est un jeu. Hey, je suis tellement tanné. Yes, pour une fois, j'ai roulé au-dessus de 10. Bon, Fabrique, bravo, Célène. Ça a pris toutes mes dés. Garde, j'accepte mon échec, ok? Ok, donc t'as le Frightened Condition. Castra pas anyway Fireball. À Frightened Condition, t'as des avantages sur toutes tes Ability Check, tes Attack Roll, et tu ne peux pas t'approcher du fantôme. Ah, mais j'avais pas l'intention de m'approcher, merci beaucoup. Correct. Très gentil. Non, mais t'as un malus à tous tes jets, Elle a un malus à tous ses jets, oui. T'as tout compris. Mm-hmm. Est-ce que ça reste juste pour le round? Est-ce que, mettons, on le refait à tous les rounds? C'est pour toutes les... Ah, excuse-moi, tu auge aussi... Oh, j'avais pas lu ça. Célène, tu viens de... Ton personnage vient d'âger de 40 ans. OK, ça veut-tu dire que je vais mourir? Non, ben ça veut dire que ton bonhomme est rendu à 60 quelques années. Ouais, mais je reviens-tu plus jeune après? On le sait pas. Il va falloir que t'ailles voir un cléric pour fais-moi examiner. Fais-moi pas ça, là. Fais-moi pas ça, Mario, j'arrête de jouer là. Je ferme le jeu, puis je rage quit, genre. Elle a-tu une virus? M'avez-vous déjà vu rage quit ça un peut... jeu? Parce que ça s'en vient. OK, je vais te le dire. Tu peux le renverser, mais t'as 24 heures.
Puis il faut que tu trouves un clerc qui est capable de caster Greater Restoration. C'est Greater Restoration. Ouais, c'est tellement fuck. Ah, c'est bon, c'est tellement bon. Oh my god. J'ai un Holy Symbol si tu le veux, je peux te le donner. Ouais, ça sert à quoi? Hey, Lesser Restoration, c'est le level 2. Greater, c'est genre... Fait que ce qui se passe, c'est que vous voyez Célène physiquement commencer à vieillir. Fait qu'elle devient comme une femme de 60 ans, ses beaux cheveux deviennent tout blancs, à courbe un peu. J'ai déjà les cheveux blancs. Ok. Fait que dans le fond, elle change pas beaucoup. Là. Ben non, ben elle ride là. Elle ride pis elle courbe, that's it. Je vais crier « Carlos, si je te trouve, je te tue! Si je te trouve, je te tue, si je te trouve... » Et tout ce que t'entends en réponse, c'est... Voilà. Bon! J'en attendais pas moins de Carlos. C'est voilà. Sonal, c'est à toi! Yay! je cherche ma fiche. Mais ça va être un Eldritch Blast, parce que j'ai pas grand-chose qui touche ces créatures-là. Ok. N'oublie pas que t'en tires 2 à ton niveau. Yeah. Sur lui ici. Ça touche. Et le deuxième. Touche aussi. Ah. Bah ouais. Ça c'est moins bon. Hein. Ah, faut que je rebrasse le dé. Instant. Ouais. Parce que le damage... Ah. Faut que je roule une attaque avant de faire des dommages. Pas grave, on... ouais, c'est beau. Alright, 9. Ça, c'est mieux. Bon! La Banshee. Je vais... Okay. La Banshee va prendre son action et devenir incorporelle. Et se déplacer. Je pense que c'est un bon trou. Ah, c'est là que j'aurais voulu avoir un bon jet de fortune. Célène. Moi encore, qu'est-ce que tu fais, Mario, là? Ben, rien fait! C'est à ton tour! Ah, c'est à mon tour! Oui! Okay, là, j'étais comme là, Mario, là, arrête. Je vais me déplacer en arrière, là. Attends un petit peu, je me déplace. Je peux pas me rapprocher des fantômes. Comment je fais pour me déplacer? Ben, tu bouges le bonhomme! Tu choisis ton personnage. Faut qu'il reste déjà ton Faut qu'il change son. Ouais, mais Frightened, okay. c'est ça, c'est correct. Tant oui, qu'elle se rapproche pas, ça change rien. Ok, ok. Je vais. Le fantôme là qui m'a. Ouais. Chié en face là. Ouais. Je peux-tu le ex? Ça se ex-tu un fantôme? Oui, ça se ex un fantôme. Ouais, c'est ce que j'ai oublié de faire. Je vais ex le fantôme. Yes! Pis je vais le Firebolt. Oublie pas de rouler avec des avantages. Avec plaisir, Mario. C'est bon. La touche! Oublie pas ces 2d10 hein, ton Firebolt, parce que t'es 5e là. Comment je fais ça? Ben, il devrait le faire automatique. Si tu fais damage, il devrait rouler okay. Ouais, 2d10 plus 1d6. Je vais juste le regarder. Ouais, effectivement, il l'a fait. Ah, tabarnak, queen. Plus 1d6? Ouais. C'est débile. Quoi, tu veux? Au moins. À 7! Ah, écoute. Hein. Alright! C'est la vie. Yo, c'est numéro 2. Lui aussi, il va devenir incorporel et s'approcher. Valeriax. Quoi, incorporel? Incorporel, c'est que tu peux pas les toucher. À moins que tu aies une arme spécifiquement designée pour les toucher. Genre l'épée de Karlaxor, ça marcherait. Ouais. Si je touche pas, je peux pas smite, j'imagine. Non, c'est exactement ça. Mais il y en a un qui l'est pas, là. Celui que tout le monde tire dessus, là, à date, il est pas incorporel. Ouais. Puis. Et pour nous taper, est-ce qu'il faut qu'il recorporalise? Oui, il faut qu'il recorporalise. Okay. Ils peuvent pas vous attaquer en étant incorporel. Ils peuvent faire ça dans le même tour, j'imagine? Attends, je vais te le dire. C'est une très bonne question. The ghost enter.
Non, il faut qu'ils prennent leur action pour redevenir corporel. Ok. Les Magic Weapons font pas mal du tout au... No! On n'est pas dans Pathfinder, nous autres, ça nous prend des enchantements spécifiques pour faire des affaires de même. Là. Ben, je sais qu'il y a Ghost Touch qui fait 100% des c'est dégâts, ça. Mais je pensais que non. Magic faisait au moins 50% des non, dégâts. Non, monsieur. Huh. Un calcul de trop dans D&D, ça. Ok. Ben... Non, 3.5, t'as de même. Mm-hmm. Plus pour ça. On va se réchauffer, je pense. Ok. Ah là, mes spells, ça fait longtemps, là, pis il y en a des nouveaux, là. Mais dans son lit. Pis le spell qu'elle m'a casté, c'est quoi? C'est une malédiction, c'est un enchantement, c'est c'était quoi? C'était une habilité. Ok. C'est que ça c'est parce que ça prend absolument Greater Restoration. Qui est, dans Dracossia, c'est facile de trouver. Il va falloir que tu payes le coût de. Mais t'as 24 heures pour le faire. C'est plus ça qui est. Sinon, c'est permanent. Ouais. C'est que t'as un jour pour le faire. Ouais, puis Greater Restoration, c'est level 5 aussi. Ça coûte cher. Ça coûte à peu près 300 pièces d'or pour un single cast à maison. Maison Navarre, là, les guérisseurs sont 300 pièces d'or à peu près. Ils vont être capables de faire ça. Il nous reste 355. Bon, pendant que ma gang se bat, je vais aller voler notre petite caisse, puis je vais aller là. Ben ouais, petite quoi? Ouais. Bye, ciao! Attends, on rentre. Valriax, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais attaquer, puis smiter au besoin. Là, okay. Si possible. Attaque. Et boy. Ça touche! Oh boy. Oh oui. Et oh bah. Pis, ah oui, ils fessent fort pis ils ont beaucoup d'HP. Fait qu'il faut pas qu'il y ait beaucoup de tir. Divine Smite. Ben, je le rajoute là, genre. Si tu veux, ouais, tu peux le rajouter là. Je te garantis que c'est plus que ça. Premièrement, un first level, c'est 2d8 plus. Pis quand c'est un undead, fait que tu me dois un d8 de plus, s'il te plaît. 1d8 pour 22 plus. C'est beau ça. Ça fait du bien. Pis là, t'as un autre attaque parce que t'es 5ème niveau, right? Fait que tu peux smasher deux fois par tour, toi. Ok. T'as extra attaque, Valriax. Ouais, fait que je peux encore attaquer avec lui. Yes. Avec ça. Ça touche. Pis, bon, genre, tu m'as été tout seul. Ça a du sens, 14, ouais. Tu smashes le. Et tu smites. Ouais. Fait que tu vois comme sa forme commence à se dématérialiser. Pis quand tu swings le marteau de l'autre bord, tu le vois complètement disparaître avec un cri comme. T'as détruit un fantôme. Ouh! Mais pauvre Shirley. Ouais, je peux plus rien faire. Fait que je vais chanter une toute. Non, c'est pas vrai. Pas des trucs à préparer. je réfléchis. Là. Ben, je vais faire ma rage, là, évidemment. Parce que, let's go. Puis je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Je peux me mettre devant. Parce que avec rage, de toute façon, c'est un bonus action. Yep. Ouais, fait que je vois pas. Ben, je peux rien faire de plus, je pense. Non, c'est très bien. Fabrique. Ah, question. Oui. En immatériel de même, ils ont-tu opportunité aussi ou non? Ben, ils peuvent pas toucher parce qu'ils sont immatériels. Fait que ouais, fait que même s'ils s'enfuient, on ouais, peut pas. Ouais, non, tant qu'ils ne redeviennent pas matériels. Sure. En étant dans le plan. Je vais dire. Ouais, je dis le plan intérêt, mais. Ouais, c'est ça. En étant immatériel, est-ce que la force. Genre. Le force damage passe les. Non. Affecte sur tous les plans? Non. Non. Ok.
Alright. Et peut-être trois créatures, 30 pieds. Un peu, je vais juste ça. Boy. Ah, ok, cool. Fait que, mettons. Blessed within range. Alright. fait que ça va être. Valeriax. Ça va. Il va y avoir Shirley et moi qui vont être blessed. Ok. Puis, oups. Je vais enlever ça maintenant. Oui, ça va être quelque chose un peu. Puis ça, c'était mon action. Puis en bonus action. Je vais faire. Hey, mes features sont. Ah, hein, ça fait. Ça fait un petit bout. Qu'est-ce que... Non, ça c'était mes passes de gardien. J'ai juste mon Lightning Gauntlet. Puis mon Lightning Gauntlet, il est à... Quel 90 pieds? Cool! Fait que maintenant que j'ai fait ça, je vais me... Cool, cool, cool. ouais. Tiens. Bon, toi aussi, tu fais encore, tu t'en vas. Ben, je me rends jusque-là, moi. si je veux garocher des beams, fait que je vais faire, bon, ben, je vais aller jusque-là. Je prends mes distances pour pas être dans une espèce de zone. je veux juste, comme, prendre mes distances de leur effet de zone, puis après ça, m'en faire un pochou. C'est bon. Mais j'ai rien pour faire des pochou, fait que ça va être ça. Ok. Sonol! Oui. Bon, Sonol. Ah, 35 pieds. Fait que j'ai le droit d'être là. Ah, très bien. Non. Je suis en train de me demander ce que je fais, là. Je vais me reculer un peu, puis je vais me préparer un Eldritch Blast quand ils vont revenir, là. Ok. Yeah. Parce que. Je peux pas faire grand chose d'autre. C'est bon. Ils sont éterrés. Run! Run! Ok. Elle va se déplacer ici et prendre son action pour redevenir corporelle. Est-ce que Sonol, tu tires? Ben, qu'un. Okay. Il est en range. Dredge Blast, c'est à... 120 pieds, je devrais être correct. C'est bon! Shoot! Oups. Ça touche? Un gros 3. Encore? Ouais. Yeah, c'est aussi vite que ça peut aller. Malheureusement, celle-là va rater. Ah merde. C'est bon? Oui. Ok. Célène. Ben, je vais me reculer aussi un peu à côté de mon copain ici. Puis, je vais caster sur. C'est laquelle qui est matérielle qui est... C'est la blanche, là. Celle droite en avant de tout, dans le fond. Ben, je vais y faire un fireball. Un fireball? Oui. Ok, vas-y. J'ai-tu le droit de faire ça? T'as le droit de faire ce que tu veux. Ça a pas un full de gros radius, hein? Ouais, ça. Laisse-la tirer sa fireball, puis tuer ses amis. Y'a pas de problème, vas-y, ça. Mais non, je tuerai pas mes amis, je vais la placer, ma fireball, là. Fireball, c'est la grosse boule de 30 pieds, là. Ah oh, oui. Mm-hmm. Eh oui, je peux placer ça de même? Yes. Oui. Garde comment tout est beau. Oui. C'est parfait. C'est bien... festoyeux. C'est chaud un peu sur mon pied, là, mais... c'est chaud un peu, mais...
ça affectera absolument pas le deuxième fantôme. Non, parce qu'il est incorporel. Ben, c'est pas grave, tu vas y faire des damage pareil à elle, là, non? Oui. Je peux-tu faire ça? J'ai jamais fait. J'ai le goût de le faire. Oui. Fait que là, j'ai juste à rouler normal, ça de même? Ouais, fais le dégât. C'est bon? Nice! Tu as fait 26. Yeah! Let's go. Ça brûle-tu encore? Non. Ça, c'est vraiment comme un... C'est comme boum, ça arrête. Ça, c'est vraiment... C'est, bon, c'est, c'est pour te montrer le radius, genre. Dans... Ouais, non, je comprends. C'est tout, Célène? Ouais, t'as reculé, t'as shooté. Tu peux déplacer ton ex en bonus, si tu veux. Oui, c'est ce que je vais faire. J'aurais dû le faire au début, j'y ai pas pensé. Mais... Ah, puis là, je peux juste le faire. Je peux pas le faire sur l'autre. Le ex, je peux-tu le faire sur l'autre, même si ça se dématérialise? Ou genre... Oui, tu peux le faire pareil. Je peux le faire pareil, parce que là, peut-être, elle va mourir. Fait que je vais le mettre sur l'autre. Vu que... Non, tu peux pas le faire sur celui qui est dématérialisé. Ah ben, je vais le faire sur l'autre, de bord. Ouais, mais un coup qui est mis, même si elle dématérialise, ça change rien. Okay. C'est le tour du ghost qui va rematérialiser en avant de Shirley. Ah, il faisait un beau sourire. Et c'est le tour de Valeriax. C'était pratique, le Divine Smite. Oui, il est fort contre les ghosts. Mais c'est ça. Fait que... C'est le fun d'un undead quand on a des paladins. C'est le fun d'un paladin quand il y a des undead proches. C'est ça, hein. Quand tu brasses mieux aussi. Je vais reprendre un dé. Oui. C'est encore drôle, il y a bless aussi. Ouais. Ah, ouais. Tu peux rouler le D4, ouais. C'est le D4 aussi avec ça. Ah ouais? Mm-hmm. Ah, ok. Ça va te tuer. Merci de me le rappeler. Yes. Fait que ça, ouais, première attaque. C'est bon. On va le prendre. Ça la touche. Damn. Attends. Ça devrait être ça. Ouais, pas de smite pour l'instant. Ouais. C'est bon. 21? Ouais, parce qu'elle a de la réduction chère. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ton pouvoir que t'avais avant, il était... J'aurais du smite. Mm-hmm. Shirley, c'est à toi! Oui, je vais donner un coup de griffe. Ça touche? Faut-tu faire plus... Ça touche, mon dieu? Oui, tu m'as compris, ça touche. Et on va prendre pas une gun, tu sais. Non. 11, parce qu'à 11, j'ai pas de chien. Yeah, ça dépend le kill. Les fantômes ont 11, la Banshee a 12. Donc ça dépend... OK! Là, j'ai une attaque de plus. T'en as deux autres, en réalité, si tu veux. Parce que tes claws, c'est une de plus, puis t'en fais deux maintenant, parce que t'es 5e niveau d'armor. Ça touche! OK! Puis, je pourrais faire une petite attaque de queue. Oui, tu peux. La touche. Et qui fait... OK. Tu réalises que comme c'est un fantôme, tes attaques ont l'air de faire beaucoup moins mal que tu t'attendrais normalement. C'est bon. Fabrique. On t'entend pas. Parle. C'est vrai. Fabrique va avoir l'occasion de faire son zap-zap maintenant. Fait que, où c'est qu'ils sont rendus? C'était pas là. Je vais aller ici. Lui, right. Oui, ça! Normal attaque de 90 puis long range de 300. Ok.
Un des 6 de lightning sur un hit. Un extra des 6 sur une target. Ok, fait que ouais, ça va être sur rien. Là. On ajoute le des 4 de bless. Bio. C'est bon. Ça touche. Bon, chance que je suis blessé. Merci, blessed. Puis il m'a offert l'extra des 6 de lightning pour être sûr. Point. Ah oui, 11 de lightning. Woo! Zap! J'aime que ça laisse du sang en terre. C'est un fantôme! Ouais, c'est du. Voyons, l'ectoplasme. C'est ça. Du goût! Sonol! Ben là, je l'oublierai pas cette fois-là. Attends, attends, j'ai extra attaque, c'est vrai! Shot! C'est pas encore moi. Non, ça a l'air. Ouais. Pourquoi ça bouge de même? Ah, pourquoi est dans le coin, hein? C'est à cause qu'il y a un fantôme caché dans le coin. Il y a un fantôme caché. Il est mort! Il est mort. C'est la Banshee qui est dead. C'est le ghost qui est mort. Hein? C'était pas la. Banshee et le ghost, c'est ça. Ça touche? Ok, ok. Yeah! Puis. Point. Wow. Fait 8. Hey! Il est mort! Ok, 8. 8 de lightning. Zap! Ok? Sonol. Là, mon tour est fait, ouais. Ben moi, je vais ex lui qui reste. Oui. Est-ce que ça peut valoir la peine? C'est un L, c'est une Banshee! Non, c'est plus une Banshee. Non, c'est un fantôme. C'est beau, c'est beau. Bon, et là, je suis pourri. J'ai-tu le droit de faire un Eldritch Blast après? Oui. Même si deux sorts, ok. Non, c'est un cantrip et sort. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ok, c'est bon. C'est pour ça que j'étais plus. Mais en plus, il y en a qui sont un bonus action, puis l'autre c'est un spell. Plus un des 6. Ouais, c'est ça, je m'en vais chercher. Yep. Tes dés sont funky. Oui. Ils sont weird. Mm. Une drôle de façon de dire qu'ils sont lettres. Hey! Non, moi je trouve bon. Ça, non, j'ai dit hein. Qu'ils étaient funky. Ouais, et ouais, ouais, ils sont comme. Choisi. Tout touche. Sauf facile à lire. Ah, oh, mais c'est correct, c'est écrit dans la liste. Ouais, c'est ça. Oh, exactement. Ouais. Oh, il est plein de couleurs. Wouhou! Ben, comme ça, correct. C'est deux, il y a deux barres. Ouais, oh, ouais. Ouais. Oui, absolument. Ok. Ben, oui, le système, il sait c'est quoi le chiffre. Moi? Oui, toi. Je vais. Et où? Ouais, loin. Je vais. Et t'es à distance d'Eldritch Blast. Oui, oui, mais j'ai plus d'Eldritch Blast. Ah, c'est vrai. Ah, oui. En tout cas, pas encore. Pour l'instant. Je vais. magique missile. Ok. C'est ça que je fais. Ben, casse-les. Un magique missile. Un des 4 plus 1 de force. 3 fois. C'est... Ouais. 3? Ben oui, un niveau 1, c'est 3 d'or. Hein? Là, j'ai fait un niveau 2. Donc 4 d'or. 3 glowing darts. Ben oui, fuck! Fait que tu me rebrasses 3 autres dés. Ouais, ok, c'est au level. Ok, quand tu le castes au level 2, t'en plus ajoutes. 3, ça fait 13 plus oh. 1 plus. Ok, c'est beau. 17. C'est 3d4 plus 3. Ok! Son tour. Oh ben, pauvre que... Je commence à avoir mal. Tu vas être ma monture. Fait que, Shirley, est-ce que tu pourrais me rouler un... Charisma! Charisma! Charisma, c'est avec Drew, s'il te plaît. LOL! T'es blessé. T'ajoutes un des 4 à ce save-là. LOL! Rajoute un des 4? Ouais, ouais mais même si tu roulerais un 4, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu veux prendre un dé? Puis, parce que ce qui va se passer, si tu le fais pas, je prends possession de ton personnage. Oh. Et tu vas voir ce qui se passe, but you're mine, puis je vais taper sur tes amis. Avec ton perso. Si on tape dessus, on attaque Shirley. Là. Oui. Ouais. Est-ce que ma réaction de Mathieu fonctionne ou pas? Non, parce que c'est juste, je rentre dans ta cause, point. Je trigger à rien. Ok, tu me frappes pas. Non. Oui, je comprends.
Je fais juste faire comme blablabla, puis je rentre. Ben oui, là, je vais reprendre un dé. C'est bon. On que... n'a pas le choix. Combien de 3 dés? Roule ton bless. Ouais, ton bless va te sauver la vie sûrement. Hein? Sûrement. Non. Est-ce que tu veux prendre un autre dé? Ouais, là. On aimerait ça de pas être obligé de te taper dessus. Ça serait le fun de pas avoir à genre... C'est bon, c'est correct, tu l'as okay, passé. C'est là. C'est la est-ce qu'on va pouvoir expliquer que c'est le public qui a sauvé Carl... qui les a sauvés de Carl Axon? Ben, il était là, le... Il était là, le genre, on peut s'en sortir. Il pouvait me tuer, là. C'est... Il donnait ma permission. Ah, théorie, il t'aurait pas tué, il aurait pu... possession de ton corps. Il aurait juste... Oui, vous avez ma permission de tuer. Oui, ben vous... Honnêtement, ce qui serait passé, là, c'est qu'il aurait pris ton corps pis il rushait Sonol. Sonol, il aurait lancé le sommeil pis on aurait vu que ça donnerait. Sur Shirley, good luck. Ouais. Yeah, mais c'est le seul sort que... Je pense qu'elle t'arrête. Mais maintenant, il aurait fallu faire quoi? On la tape jusqu'à temps qu'elle tombe à 0 HP, puis là, elle sort de son corps? Yes! Ouais, quand une créature est possédée, yes. C'est soit tu fais ça, mais là, soit ça a été. Tu fais bon genre react, Dispel Evil ou Dispel Good. Mais on n'a pas de cléric, fait qu'il y a personne qui a genre Turn Undead ou ce genre de choses-là non plus. T'es sûr de ça, toi? Ah. Mais je... On a un pal. Peut-être que le paladin a Turn Undead. Tu touches! Je vois. Ah ouais, achève-le! Yes! Là. Je me dis. Vodriax. Et voilà. Vodriax est la star du combat contre les mauvais. C'est Shirley saute sur Vodriax puis il fait un câlin. Genre. Hein? Tu l'as le matin. Là, pis je suis genre. Ben, ça fait plaisir. Donc, c'était bien comme hors d'œuvre, mes petits? En voulez-vous d'autres ou vous reculez? Hey, ferme donc ta gueule! Hey, mais attends, là, madame de 65 ans, là. Fait que j'en sors 5 autres de suite, c'est ça qu'on fait? Attends, le madame de 65 ans, là. Hey, je suis piste, là! Je suis vieille, j'ai mal partout, je suis fatiguée! Pour ça, je dis attends, là. Parce que là, le combat s'est bien passé, là. Ouais. Somme toute, là. Genre, on n'a pas mangé de dégâts, là. Non, mais. Ça s'est mais... très bien passé. Mais Céline, t'es en train de finir sa mésopause. Oui. Sa mésopause. Non, elle l'a fini pas mal, je veux dire, à ce âge-là. Puis là, c'est pas Carlos qui va me tuer, c'est la vieillesse. Fait que hop, 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 on a pas juste ça à faire. Bon. J'ai pas compris, c'est quoi qu'on fait, là? Moi, je veux qu'on continue, on clear ça vite, puis on décalisse. On peut-tu faire tout ça en 24 heures? Bonne chance. On est dans parce que l'entrée. Ça par wave, là, c'est ça, là. Et il y a clairement une épée au bout de ça, on continue. Je laisse en torche le cul. Ok, là, là, surtout qu'à moi, je fais rien, là. Non, non, c'est ça. Shirley a servi okay. à rien. Là, on va juste prendre un time-out. Il est déjà 11h20. Fait que c'est sûr que moi, la game clôt là ce soir. Either way. On arrête là. Mais... Puis on revient en janvier. Sauf que là, je vous donne pas 3 mois pour vous décider. Vous allez me dire, là, c'est quoi qui se passe après, parce que je vous connais. Hein, de toute façon, vous en souviendrez pas. Fait que je vais avoir des témoins. C'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on continue et on risque que Céline finisse à 60 quelques années le restant de ses jours? Ou on rebrouche chemin? Merci, Loss, de prendre des notes. Mais pour le gag, ça serait drôle. Moi, je retournerais de bord. Ouais, moi aussi. Mais c'est genre la seule chose qu'il y avait. C'est sûr que c'est pas la seule chose qu'il y avait. Fait que... C'est là qu'elle veut continuer. C'est ça qui me fait rire. C'est là qu'elle veut continuer parce qu'elle a encore toutes ses spells. Là. Céline est piste, là. Céline est tellement piste. Céline, elle a pris du spell, là. À chaque fois que Céline est piste, quelqu'un meurt. Elle prend des mauvaises décisions. Ouais, oui, clairement. Fait, il faut que vous preniez la décision pour moi parce que Céline est en tabarnak contre Carlos puis elle veut continuer. De toute façon, à l'âge qu'elle a, on s'entend, première roche, elle se pète une hanche. Là. Oui. Anyway, à chaque fois que Céline prend une décision, ben, elle meurt. Fait, on s'en va.
Fait que c'est qui a une idée de merde? Hey, pas bon à ce jeu-là. Wow, moi j'accepterais pas ça. Là, le pessimiste dans le chat, le dire que c'est des idées de merde, là, ça passe pas. Ça, c'est fini, ok? De deux, là, il y a quand même quelques choses qui sont passées. Juste chat? Corriger, c'est pas le chat. Le chat a rien dit. Ah, le chat est très pessimiste en passant. Il y en a pas un ou presque, il y en a une qui nous a encouragé. Je veux juste le dire demain. Ok, ouais. Ça, il y a personne qui va me dire le contraire. De deux, là, il y a quand même. On vient d'éviter de peu notre allié de se faire posséder. On vient de voir notre autre allié vieillir de 40 ans. Et de 3. On n'est pas prêt à être contre des mauvais. Ouais, c'est ça. On est carrément pas ready pour être contre des mauvais. Il n'y a pas juste des elfes zombies ici, là. Des elfes mutants. Il y en a croisé aucun mutant, on n'a croisé aucun zombie, on n'a pas. Vous avez fait 10 pieds, là. On se calme, là. Non, on a fait ça. 10 pieds, on a croisé 3 fantômes, puis il y a juste une personne qui est capable de faire mal à des fantômes ici, puis c'est Valeriax. Non, vous avez. De quoi tu parles? Tout le monde a fait mal. Non, avec un weapon. Très bien passé, Shirley a presque là. Rien fait. Avec Shirley est la seule qui, avant le niveau 6, peut sweet fuck all à rien faire parce qu'elle n'a pas d'arme magique. Ça, il n'y a rien à faire. Exact. C'est ça. C'est ça. À titre informatif, là, pis ça, mon choix est fait là, de rebrousser, là. J'ai le spell Magic Weapon. Je peux-tu le faire sur quelqu'un d'autre, genre? Sur une weapon, oui, mais le problème de Shirley, c'est que c'est des griffes, c'est pas une arme. Ouais, ok. Ouais, fait que c'est pas... C'est ça, genre. Non. Ah, fait que faut que ça soit, genre, Magic Fang ou quelque chose de même? Magic Fang! Magic Fang marcherait ou si tu ferais Magic Weapon sur un fouet. Mais un fouet, ça fait un D4 de dégâts, t'sais. La raison pourquoi ça marche pour Harrison, c'est que le spell Magic Fang existe aussi. Sauf que c'est un spell de Ranger / Druid, fait que... C'est ça, c'est pas nous autres. C'est pour ça. Mais de toute façon, la game est finie. Le choix est en rebrousse chemin. Oui, le choix, c'est on va de bord, yes. Puis, il faut pas oublier qu'on va devoir payer 300 gold pour ramener Selene à un âge normal. Là, à son ben, on peut-tu comme... On peut-tu utiliser les contacts de notre... On va voir ça à la prochaine game en jambe. Ouais, c'est ça. On peut pas comme. J'espère que vous allez me prendre sur vos épaules pour me sortir de là, hein, parce que moi, je me débat, puis je suis fâché, puis je veux la trouver l'épée, là. Je t'entends pas. Elle va mourir, la conne. Elle mourra tout seul. Mais, pour une. Sans que ça soit un reproche, juste pour une future référence, quand c'est un save or die comme ça, puis il vous reste des dés. Yeah. Vide-les. Ouais. Oh quand c'est un save or suck, là. Mais oui, gars, il t'en reste encore deux. T'aurais probablement réussi à faire le 5, c'est juste ça le point. Peut-être, mais on dirait que j'avais peur d'en avoir pour plus tard, puis je me suis dit, oh, ça doit pas être si pire que ça. Ouais. Non. Quand tu pognes contre un undead, souvent les saves, c'est save or die. Le facteur vieillesse, là, c'est propre aux fantômes puis aux banshees, ou c'est toutes les Fridays? Non, les banshees, c'était pire que ça. La banshee, ça a réussi à crier, vous tombiez. Tous ceux qui rataient leur save, c'était 0 point de vie mourant. That's it. Whale of the banshee, là. Vous étiez mort. Ça crie, c'est comme bye. Ouais. Fait que vous l'aviez. Ah, toute somme faite, tactiquement parlant, c'était très très bien. Tu sais, il y a eu une affaire que, comme je dis, t'as pas été chasseuse parce que t'as un DC-13, t'aurais dû faire ça à ton niveau. Normalement, là, si on regarde le rouler des dés, normalement, statistiquement, tu vas rouler un 10 tu vas l'avoir. Mais c'est pour ça que moi, j'aurais continué de prendre des dés. Mais ça, c'est des statistiques. Et oui, Cast et Sleep, Selene, ça s'énerve trop, ça va marcher. Là. À 64 ans, elle va vouloir faire une sieste, anyways. Ouais, il y a des commandes là, de ce monde. C'est ça. Je ne suis pas inquiet, Valeriax va la sortir de là. Et c'était cela. On va souhaiter qu'il n'y ait pas un autre groupe qui trouve l'épée avant vous autres, à ce temps. En même temps, personne n'a rien proposé d'autre. Ben, vous aviez plein d'autres aventures. Pardon? Ça, c'est pas vrai. Je le sais. Valeriax veut l'épée, c'est ça qu'on devrait dire. Ben ouais. Voilà. Ben, qui est là. Moi, j'en ai eu des aventures, bon. Il y a des avantages si on trouve des reliques en allant là. Fait que c'était une bonne affaire d'aller là. Ouais. Mais là, on va revenir là. Vous avez quand même pas mal de stock à fouiller. Puis, c'est cela, vous êtes dans les ruines. On va revenir, Carlos. Hein. Ouais, ben, il va vous attendre. Peut-être. Il est encore en vie d'ici là.
Ok. Donc, on va se trouver quelqu'un à raider. Ouais. Puis on peut pas ramener une petite pinotte, une garnotte sur le côté, non? Ben, tu peux prendre une roche si tu veux, hein, mais ça... J'ai ramené une roche! C'est bon. Comme souvenir. C'est on bon. Est dans l'entrée, fait qu'il y aura pas rien de valeur dans ce coin-là. Ben, c'est parce que ça pas... souvent été pillé. Oui? Ouais. Ben, je suis comme... Ben, on n'a pas comme resté, mais oui, effectivement, on a descendu, on a passé la pancarte, puis on avance un petit peu plus, là. Yeah, on est dans l'entrée. Ah, on va aller dire bonne fête à Bethlehem, son 2 ans d'affiliation. Oh, Bethlehem qui est encore live. Ouais, ben, elle fait un... Je sais plus combien d'heures. 24 heures. 24 heures. Midi. Et voilà. C'est pour son... C'est parti. Ah, elle fait le deuxième vie aussi. Ouais. Yep. Ben, elle l'a fait en fait ça même. Mm. Yep. Mais je pensais qu'elle continuait, mais... Elle a continué. OK. Elle continue, là. Ah ouais. Stern, c'est goal de don de faire 24 heures au lieu de 12. OK. Cool. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tous. Merci pour les subs, les bits et compagnie. Et le raid de DM à cravate. Et on se revoit mardi chez Frank pour moi et dimanche prochain pour les Mao. Vous allez rencontrer d'autres sexy people avec les vampires. Et mercredi, c'est vrai, c'est le Plague Stone. Mercredi chez nous pour Plague Stone. Fait que mardi, mercredi dimanche. Plein d'affaires. All right. Yes. Bye, la gang. Ciao. Au revoir, tout le monde. Bye. Bonne nuit.